More back and forth, they say. No more mid-game fights. We are going to close it out. Mysterious Monkeys move in. They take down Rocket. Vitality are on G2's Nexus. Mysterious Monkeys, they're running through this team. Triple kill for Steelback. Nuke took over the wall. A full channel culling. And Vitality flip that switch. Going to have to flash away, avoiding that command. What he can. Yuki's still alive. Nice movement coming in for the Mysterious Monkeys, the kill of this fight. Kabuchar coming up with one on to Shook as well. Vitality turning these tables, and now Nagne by himself. That's a double kill for Nuke Duck. It's getting interesting because Vitality now dropped that match. Mysterious Monkeys are hot on their heels. As an underdog, you can have to throw in a couple of curveballs. Welcome to week 8 of the summer split. Et bonjour à tous, bienvenue sur O-Gaming pour cette nouvelle semaine de LCS Europe. La 8e, on touche petit à petit au but. Et aujourd'hui, deux rencontres nous attendront comme d'habitude. Un premier match entre Mysterious Monkeys et Vitality que vous voyez justement à l'écran. Les joueurs sont en pleine installation. Et le deuxième match entre G2 et NIP, LRB. On approche donc de la fin de cette saison régulière. Ouais. On a pu en parler pas mal pendant le pré-show. Il y a encore quelques trucs à décider. Et notamment ce premier match, le Mysterious Monkeys contre Vitality. Puisque le groupe B n'est pas joué sur le bas du classement et il y a encore des choses qui sont faisables. Exactement, comme tu l'as dit, Mysterious Monkeys peut encore sortir de la place de relégation s'ils parviennent à battre Vitality et qui, sur un sursaut de, vous le voyez ici, d'adrénaline, hein. Il remonte et derrière il arrive à gratter cette quatrième place du groupe B à Vitality. Ça pourrait être une catastrophe pour cette équipe de Vitality. Après, on est comme sur une équipe Vitality avec un E2 qui en ce moment brille. Ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. Et ils ont bien compris la méta quand même. En tout cas, les compos sac. C'est vrai qu'ils ont été, la première équipe à jouer la semaine passée. Non. Ils avaient joué quand la semaine passée ? C'était vers la fin de semaine en fait. Mais en tout cas, ils avaient surpris avec des compositions justement assez dans l'air du temps. Beaucoup de tanks, un Nuke Duck qui était particulièrement au point. On l'a vu sur Orianna. Donc c'est une équipe qui a l'air d'être plutôt bien installée sur ce patch. Manque quand même les résultats et notamment ce résultat aujourd'hui contre Mysterious Monkeys. Après, face à Mysterious Monkeys, il y a toujours le facteur kickiste où on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Il peut sortir un peu n'importe quoi sur la top lane. Après, en ce moment, il y a quand même des picks qui sont très forts comme Jace, etc., sur lesquels il est quand même sacrément à l'aise. Donc, j'ai hâte de voir le match-up top lane, car il va vraiment décider du cours de la partie, là, et à voir si on aurait encore une fois un Shogat de Kabuchar. Il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en jeu dans ce patch 7.14. Une Sejuani qui pourrait sortir, mais Amazing, qui est un très bon joueur de tank jungle, qui pourrait nous sortir cette Sejuani. Là où Joko, il avait été connu pour son Lee Sin, il avait été connu à l'époque pour son Olaf, ce genre on de choses. On ne le voit plus sur Lee Sin maintenant. Mais là, maintenant, j'ai l'impression qu'il a du mal à trouver sa place en vrai en jungle. Il a tenté des Warwick, on peut le voir aussi de temps en temps sur des Kha'Zix. Et c'est vrai ça. Que la Draktar donne quand même une grosse justification au pick Kha'Zix. Totalement, la Draktar qui a été hotfix heureusement sur le patch 7.15. Heureusement. Même si c'est pas non plus un énorme hotfix, ça se fait nerf en plus de ça sur le patch 7.15, mais ça ce sera normalement la semaine prochaine. Donc là, ça m'étonnerait pas de revoir encore une fois du Kha'Zix. C'est vrai que Kha'Zix en jungle, si tu arrives à prendre un petit ascendant dès l'early, tu peux vraiment dérouler le mid-game et commencer à donner un avantage fulgurant à ton équipe. Et pareil, peut-être des tanks, hein, on l'avait vu jouer un Warwick, Joko, alors il ne m'avait pas spécialement convaincu sur Warwick, encore que ça dépend des games, il en a eu vraiment 100 où il ne mettait pas un seul ulti et d'autres où il arrivait à mettre un peu plus de pression. Et tiens, la production de Berlin qui nous propose une action entre Misfits et Splice. Ok. Alors. Allez, ce Maokai. Hein. Maokai qui avait été joué donc par les Vitality, et alors notamment par. Comment ça s'appelle ?
par Joko. Et c'est un pick Maokai qui est extrêmement fort quand même actuellement. Surtout, tu as une possibilité d'engage qui est monstrueuse. Si tu arrives un peu en flanc sur l'équipe adverse et que tes coéquipiers peuvent mettre un tout petit peu de pression en front, tu fais reculer l'adversaire, tu mets l'ulti. Et en fait, c'est quasiment impossible de ne pas avoir au moins un joueur engage. Ah oui, non, mais vu la zone que ça prend, c'est clairement impossible. Après, c'est vrai que c'est pas un ultimate que tu vas utiliser de front pour engage, parce que l'ultimate est quand même extrêmement lent. Donc, il faut vraiment arriver en flank. Et c'est pour ça qu'en jungler, on le voit un peu plus qu'en top lane, là où le top laner, tu peux un peu l'anticiper sur ses téléportations, sur ses roaming. Là, par exemple, on voit l'ultimate, bon, il a utilisé pour essayer de se défendre en cas de contre-attaque de G2, mais finalement, c'était juste pour dissuader les adversaires d'arriver. Mais on sent quand même que Speak Maokai, il y a vraiment une place à prendre dans la jungle de cette méta patch 7.14. Parce qu'on a beaucoup parlé de Shogad pendant un moment, on a beaucoup parlé de Sejuani, mais Maokai, on l'avait un petit peu oublié. Et c'est vrai qu'en ce moment, on en voit en solo queue, on en voit en team. C'est un pick qui commence à se faire connaître. Surtout, parce qu'on a vu côté Vitality, par exemple, le pool qu'ils ont fait, qui a un peu fait le tour de Twitter... avec le Maokai qui était double buff à 2 minutes 10, un truc comme ça. C'est pas mal. Oui, celui où tu laisses le petit sapping traîner sur ton deuxième buff et t'as Diolene qui s'en occupe. C'est vrai que ça marche bien. Et un peu à l'image de Talia, en fait, je trouve que les champions qui vont avoir des ultimates avec un contrôle de l'espace qui va être énorme, que ce soit par le fait de mettre un wall, que ce soit de créer une zone de non-droit avec cet ultime Maokai, que ce soit en termes de fight ou en termes de contrôle des objectifs, on les voit beaucoup utiliser comme, par exemple, l'année dernière, les enchasses de Sivir pour forcer les T3, les inhibiteurs. C'est quelque chose qui marche très bien. On l'a vu également dans les mains de Vitality avec le Shogat. Parce qu'on en parlait par exemple de la problématique de la rupture qu'on voit arriver de très très loin. Mais quand t'as une tempête de chatons qui t'arrive dans la tête avec un truc à 6000 HP qui fait sauter 4 joueurs, c'est vrai qu'aujourd'hui ça marche super bien. C'est ça, et ça a toujours été le cas. En réalité, les ultimates qui mettent une grosse zone, on se rappelle le combo Jhin Rumble à une époque qui fonctionnait très bien pour prendre les tourelles. Donc c'est un peu le même cas de figure. Et les équipes professionnelles arrivent très bien à s'en servir. Et c'est pour ça que des picks comme Maokai sortent, des picks comme Talia sortent, c'est des picks qui peuvent avoir énormément d'impact dans des games compétitives. Alors c'est vrai que la semaine passée, on a vu beaucoup de compos avec des tanks en Europe. Mais alors, moi, je vais vous poser la question. Est-ce que selon vous, est-ce que c'est inéluctable d'avoir quasiment que des tanks comme on a pu l'avoir dans certaines games entre Fnatic et UL? Ou est-ce qu'il y a d'autres formules? On a pu voir en Corée ce matin, par exemple, on a eu... des games avec des speed pushers, les Jax sont toujours possibles, les Camille aussi, on a pu voir des Rumbles cette semaine en Corée. Finalement, c'est vrai que les tanks sont un peu le refuge facile et ça donne ces fameuses drafts qualifiées de drafts Aram où tout se joue effectivement dans des fight mid, comme le disait Tech tout à l'heure. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose d'un peu plus travaillé maintenant de la part des équipes? On a passé le début du patch 7.14, on commence à pouvoir envisager un peu... plus de possibilités dessus, est-ce qu'il ne serait pas temps de dépasser ce côté full tank contre tank et hop, on lance la pièce et on voit à peu près qui gagne en fonction de qui a mis le premier contrôle. Bon, bref, c'est pas toujours du sûr à 100% actuellement. Ouais, pour moi, en réalité, les drafts actuellement, c'est plutôt comme un petit peu un Shifumi. On va dire qu'on a la létalité qui est forte, mais qui se fait contrer par les tanks. Et justement, les tanks qui peuvent se faire contrer par des Camille, Jax, des Split Pushers qui peuvent, eux, gérer les tanks. Et derrière, ces champions-là peuvent se faire gérer par les champions létalité qui peuvent, en early mid, snowball. Donc, c'est pour ça que... en réalité, les gens jouent à facilité parce que jouer les tanks, c'est le plus simple. En réalité, parce que la majorité des gens vont se dire s'il y a des DPS, on prend les tanks, ça counter. Et jouer des split pushers, c'est assez dur à mettre en place parce qu'il faut quand même une certaine cohésion d'équipe. Et c'est pour ça que les équipes européennes ne l'ont pas encore fait. Donc, à voir s'ils vont le faire sur cette semaine. Mais les équipes coréennes, c'est normal qu'eux n'aient aucun problème à tenter ce genre de choses avec des Camille, ce genre de choses. Alors qu'en Europe, tu te dis si jamais il y a une engage mid qui se fait et que moi je suis en train de split push, on perd la game. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien la mettre en place. Et je pense que les équipes européennes n'ont pas encore assez confiance ou peut-être juste sont à l'aise sur le méta-tank. Et du coup, se disent je reste comme ça et on joue les tanks. C'est facile et c'est bien. Et on verra s'il y aura des évolutions ou pas cette semaine. Tandis qu'on revoit quelques images de Vitality qui ont plutôt bien réussi contre les équipes du bas de classement. Ils ont battu NIP, ils ont battu Mysterious Monkeys. C'est donc la revanche, messieurs, mais avec une équipe Mysterious Monkeys quand même différente de celle de l'époque. Bien différente. C'est
clairement pas la même équipe. On a apporté deux joueurs vraiment vétérans qui viennent épauler ces trois joueurs rookies. Comme tu le disais, justement, il faut dans une équipe, en tout cas le mieux à faire, c'est d'avoir trois rookies, un mélange avec des vétérans comme Longzhu. Et du coup, là, on a à peu près ce scénario-là dans Mysterious Monkeys. Donc, à voir. Moi, j'ai envie de voir les Vitality gagner parce que, bon, V for Victory, V dans le cœur, comme j'ai dit depuis tout à l'heure. Mais on n'est pas à l'abri d'une victoire de Mysterious Monkeys, loin de là. Bon, eh bien écoutez, on va voir ce que ça va donner, sachant qu'au niveau du classement, comme on vous le disait, les répercussions sont quand même assez importantes. On a des Vitality qui, s'ils l'emportent aujourd'hui, peuvent espérer avoir une fin de split où on a en tête peut-être une place de play-off. En tout cas, on peut essayer de la viser mathématiquement. Si on perd aujourd'hui contre Mysterious Monkey, ce sera beaucoup plus difficile. Et en plus de ça, pour les Vitality, ce serait mettre deux matchs entre eux et leurs adversaires du jour et quasiment s'assurer la non-relégation. Ouais, c'est clair. Là, ils doivent gagner cette équipe de Vitality. Le match est beaucoup trop important. Hein. C'est pas possible de passer à côté. Ils vont devoir tout donner. On a justement, on voit le coach et on espère que Yamato Kanon a préparé des stratégies au poil. Même si, bon, chez Splice, c'était. Je vais pas dire que c'était une escroquerie, mais. mais un petit peu, quoi. Mais après, c'est toujours pareil. C'est. Quel rôle tiennent vraiment les coachs dans une équipe parce que t'en as qui finalement. Sur tout ce qui est pick, stratégie, n'ont qu'un impact limité puisque leurs joueurs sont tellement bons qu'ils font à peu près tout tout seuls. Donc c'est assez opaque encore l'impact que peut avoir tous les coachs dans League of Legends et il y a plusieurs profils différents. Ouais, pour moi, Yamato Kanon, il a plus l'image du manager qui irait justement chouchouter ses joueurs, qui les accompagnerait dans la vie de tous les jours, mais pas vraiment du coach in-game, tu vois. Donc c'est pour ça que là, on verra. Peut-être qu'il a prévu quelque chose d'incroyable. En tout cas, on a Unlimited du côté des coachs Mysterious Monkeys, un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a joué à l'époque pour Copenhagen Wolves, hein, si je ne m'abuse. Tout à fait, il était avec Youngbug qui est actuellement coach G2. Voilà, donc c'est quand même des joueurs qui ont une sacrée expérience. En tout cas, la phase du piqué ban a commencé, on a un ban Cho'Gath. Donc voilà, on l'attendait un peu à ce ban Cho'Gath, un peu très fort en ce moment. Et le ban Maokai. Tout à fait, pas de Zac non plus, donc les très gros tanks de la jungle. Alors, c'est pas qu'ils sont plus disponibles puisqu'on a encore ces Juani, mais en tout cas, leur nombre vient de diminuer. Et pas de Tahm Kench pour les Vitality, un champion qui est également très apprécié par l'équipe. Kalista, qui est le pick numéro 1 en Europe actuellement au poste ADC et qui fonctionne très bien avec des drafts sac. Ouais. Et un first pick, Caitlyn. Alors Caitlyn qui est pourtant énormément ban. Elle est à 16 ban pour l'instant en Europe et c'est le genre de stat qui est assez commune à toutes les régions pour Caitlyn. J'ai vu un post justement récemment qui disait, c'était un joueur coréen qui disait ça, je ne sais plus exactement lequel, qui disait Caitlyn est le meilleur champion. C'était Ruler, le carry AD des Samsung White. Il dit c'est le meilleur champion du jeu. Ouais. Littéralement. Complètement. Donc là, on est sur un first pick sans aucune pression de côté Mysterious Monkeys. On répond tout de suite par des tanks, bien sûr, hein, Braum, Gragas. Ça fait plaisir. Des gros tanks comme on les aime. Et là, est-ce qu'on partirait sur un Jarvan Bruiser, que ce soit top lane ou jungle? Je ne sais pas trop où est-ce qu'il pourrait le sortir. Je le verrais plus top lane, honnêtement. On va voir. Et, c'est un flex pick, donc c'est toujours intéressant pour une draft, pour adapter justement cette draft. Et Vitality qui a décidé de ne pas sortir la Sejuani dans la jungle. Alors que le combo Braum-Sejuani est vraiment infâme avec ces CC qui se stack petit à petit sur toi. Et là, paf, tu vois arriver des montagnes de contrôle, tu peux plus t'en tirer. Mais bon, le Gragas Braum reste extrêmement solide. Après, vraiment, c'est dommage, je trouve, parce que Braum est un très bon contre à Gragas en plus de ça. Donc, ils auraient pu allier le Gragas, c'est Juani, mais on décide de la jouer comme ça côté Vitality. Très bien. Jarvan, donc tu le disais, LRB, et un Trundle. J'aime beaucoup ce pick Trundle. Dans ce patch 7.14, c'est un pick que je trouve vraiment monstrueux. Si jamais on part sur des compositions de tank, Trundle c'est l'anti-tank par excellence. Il vient lui voler ses résistances. Il fait en sorte que le tank ne soit plus réellement un tank et lui devient lui-même un tank tout en faisant un maximum de dégâts. Donc c'est vraiment un pick que je trouve extrêmement bon dans cette méta. Là, les Vitality vont devoir faire attention. Ils ne peuvent pas partir sur trop de tanks. Si jamais ils veulent jouer contre Trundle, en plus top lane, prendre un tank contre Trundle, ce serait une grande erreur. Donc c'est vrai que là pour l'instant, du côté Mysterious Monkeys, on a des dégâts avec la Caitlyn, on a du contrôle avec le Jarvan, on a de la réduction d'armure avec le Trundle. On commence déjà à partir sur une bonne draft. Hein. Mais ce qui m'intéresse beaucoup chez les Mysterious Monkeys, c'est cette capacité de flex énorme qu'ils ont. Parce que le Trundle peut également être joué au poste de support, c'est ça. Il faut pas l'oublier. Il peut être top, le Jarvan peut être jungle top. Donc actuellement, Mysterious Monkeys se gardent beaucoup d'options. Ce qui est sûr, c'est qu'ils auront une draft de teamfight très solide avec beaucoup de contrôle de l'espace. Entre l'arène du Jarvan et le pied du Trundle, ils ont de quoi justement séparer leurs adversaires.
Ils ont de quoi contrôler le terrain. Et la deuxième phase de ban, donc ce sera Cassiopeia Galio pour Vitality. Okay. Et Luciane Leblanc pour les Mysterious Monkeys. Ouais, c'est vrai que laisser une Cassio ou un Galio qui pourrait mettre un contrôle de zone vraiment énorme, c'est pas ce qu'on veut voir du côté Vitality. Donc forcément, on préfère bannir ces deux champions-là. On se prend un Corki, un champion très safe sur la mid lane. C'est un champion qui normalement ne peut pas mourir en 1v1 à moins de faire une énorme erreur. Donc il est assez tranquille avec sa Valkyrie. Et on partirait sur une Sejuani dans la jungle. Là, est-ce que ce serait pris? Ça annoncerait donc un Trundle support je pense. Jarvan top. Trundle support pour les Mysterious Monkeys. Leur teamfight est. Ils ont tellement d'engage. Leur teamfight est incroyable. Là, vraiment, du côté Mysterious Monkeys, la draft est pour l'instant vraiment top. On partirait sur un Vladimir pour apporter un peu plus de dégâts, un champion qui scale très bien. Je sais pas trop quoi penser de ce Vladimir, honnêtement. Ça va dépendre de son match-up. Après, il est face à Corki normalement sur la mid lane. Donc, c'est vrai. Le Corki dans ma tête a été passé à DC. Après, normalement, Vladimir face à Corki, ça a la possibilité d'avoir un free scaling. C'est gratuit pour les deux en oui, fait. Voilà, c'est gratuit la lane est gratuite pour les deux. Et top, ce sera un chaîne pour Vitality. Donc, les équipes européennes, aujourd'hui, là, pour ce premier match, décident de s'en tenir à la coutume du tank roi. C'est le classique, hein. C'est vraiment du tank en support, en jungle, en top lane pour Vitality. Du côté de Mysterious Monkey, c'est en support et en jungle. Après, justement, là, les tanks peuvent se faire contrer par le Trundle support. Si jamais on a une engage de Joko qui serait un poil excentré de ses alliés, l'ultimate de Trundle et Joko peut disparaître très vite. Hein. Donc, et ça arrive souvent à des Gragas qui, justement, prennent l'initiative et tu vas au bout de ta range de body slash. Et c'est vrai que tu peux être exposé, surtout qu'il y a des contrôles pour recevoir du côté des Mysterious Monkeys. Donc là, personnellement, au niveau de la draft, j'ai une petite préférence quand même pour la draft Mysterious Monkeys. Je la trouve vraiment intelligente, je la trouve assez adaptée à toutes les situations. On a une grosse force d'engage pour cette méta, on va dire, Aram, entre guillemets, où justement on va aller chercher les engages en mid lane à 5. Après, du côté des Vitality, on a quand même de quoi répondre avec beaucoup de dégâts. Donc le Corki et la Tristana, si ça arrive en late game, ça peut faire la différence. Mais en late game, qui va tomber cette Sejuani? C'est ça aussi, ça va être très difficile d'aller tomber cette Sejuani. On a Steelback, mais Steelback sur les statistiques, on l'a vu. Même quand il a Caitlyn, il est quasiment avant-dernier en dégâts infligés. Alors avec Tristana... Eh bien on va voir, mais Tristana c'est un peu le pic du moment. Il a été beaucoup joué ce matin, notamment par Longzhu. Et Prey disait du champion qui pensait qu'il avait assez peu de contre actuellement. Alors, bien que je pense qu'un mauvais early game de Tristana rend quand même les choses difficiles. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as 3 items et une QSS en poche, le pic est assez inarrêtable. Et d'ailleurs, à l'RB, quelque chose qu'il faut noter entre les deux équipes, c'est que c'est vrai qu'on est vraiment dans l'optique de la RAM, les compos sac. Mais souvent, dans ce genre de cas... les équipes négligent un peu leur siège et on notera que chacune des deux a pu obtenir un carry qui justement lui permettait d'aller chercher des tours. Donc à ce niveau, aucune équipe ne devrait être complètement bloquée. Alors bien sûr, il faudra avoir la Tristana et la Caitlyn vivantes. C'est ça. Mais sur le papier, les deux équipes ont de quoi progresser sur les objectifs et après ça risque quand même d'être une histoire de prise de fight. Pour chacun. Bah, c'est toujours le problème, c'est toujours un peu coin flip, comme l'a dit tout à l'heure Tech, c'est celui qui arrivera à mettre le meilleur CC sur la meilleure personne remportera le fight, c'est pas exactement le cas, mais ça y ressemble grandement. Après, du côté Vitality, on est quand même sur une Tristana qui nécessite un peu plus de temps de scaling, là où la Caitlyn pardon, va pouvoir mettre des pièges et sièges beaucoup plus aisément. Donc à voir si sur la phase de lane, cette bot lane, Vander, Steelback arriveront à gérer Yuki et Trundle. Trundle n'étant pas l'un des champions les plus forts en phase de 2v2, il y a une possibilité de commencer à prendre l'ascendant côté Vitality. Il faudrait que ce soit appuyé par Joko. S'il parvient à prendre la première tourelle, ça peut totalement débloquer la partie. Hein. Et vous êtes 78% de votants à avoir donné votre voix en faveur de Vitality. Star Trade. Qu'il semblerait que le V soit en vous. Ah oui, ça c'est l'esprit chauvin, c'est la structure française. On aime bien. Là où les Mysterious Monkeys, bon, c'est une toute nouvelle équipe, les gens n'ont pas encore eu le ils temps de... Ils sont plutôt allemands aussi, donc voilà, ils ont sans doute plus la... Leur code de popularité est un peu plus élevé en Allemagne. Oui, je pense aussi. Cette rencontre est lancée, LRB, et directement la vision sur la botlane avec un Dreams
qui va venir contester la domination traditionnelle de Brom sur les champions un peu plus corps à corps grâce à son passif, hein, son passif qui est une vraie plaie, surtout avec un champion qui a une range solide comme Tristana, même si on le sait en early game, surtout au niveau 1, Tristana n'est pas non plus le champion le plus impressionnant en lane. Bien sûr, mais c'est surtout sur le mid late game où là ça commencera à faire la différence. En tout cas, on voit le record hein, des Mysterious Monkeys, 0-5 sur ce LCS EU Summer. Là, pour ça, c'est leur début, c'est tout leur début jusqu'à l'arrivée de Kikiz et de Amazing qui ont permis à l'équipe d'obtenir ses premières victoires, tout simplement. Comme on l'a dit, hein, Kikiz et Amazing qui ont apporté énormément à cette équipe Mysterious Monkeys. Je pense que s'ils étaient restés avec Jizu et Lamaber, ça aurait été une hécatombe, ils auraient été au même stade que NIP en soi, donc heureusement pour eux qu'ils ont su s'adapter, qu'ils ont su changer leurs joueurs. Malheureusement, il y a d'autres équipes qui, elles, n'y arrivent pas, donc c'est un petit peu dommage. Elles devraient peut-être procéder à un changement, parce que quand tu es à 0-7, c'est le moment de se remettre en question. En tout cas, après, cette équipe NIP, ils te diront qu'ils partent de beaucoup plus loin que toutes les autres équipes, parce qu'ils sont vraiment formés pour le summer, et qu'ils étaient conscients que ce split serait dur, mais que le but est quand même de conserver la place en LCS Europe. Donc c'est vrai que ça peut poser des... Tu peux te poser des questions, mais ils ne sont pas toujours mauvais NIP. Ils ont quand même de très belles phases de jeu, notamment en early game. On tente le dive sur Cabochard. Il avait gardé l'aggro, Amazing. Il avait gardé l'aggro. Kikiz qui prendra un deuxième coup de tour. On est renvoyé très loin du côté des deux joueurs Mysterious Monkeys. Et on attendait de faire fonctionner à plein régime l'ancienne relation qui avait si bien... Il pensait fonctionner justement chez Fnatic Academy. C'est ça, il pensait pouvoir faire proc le passif de Sejuani assez rapidement pour pouvoir le bloquer, le geler, ensuite mettre tous les dégâts et essayer de le burst en soi. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à le bump avec le combo flag de Kikiz, ce qui fait que Cabochard s'en est sorti sans aucun souci. Et ils ont négligé aussi la zone du Z de Shen, qui fait que les auto-attaques ne proc pas. Et du coup, Cabochard s'en est sorti sans utiliser un summoner, qui finalement force quand même le flash de Amazing. Donc un dive assez... Et regardez, pendant ce temps-là, Joko, il s'est servi dans la jungle de Amazing. On est venu prendre les Krugs. Ouais, c'est logique. Il voit le jungler topside. Il va aller chercher le botside de la jungle. C'est totalement normal. Amazing qui, lui, voit ça. Donc, il récupère le reste des Krugs qui restaient sur la botlane. Et pendant ce temps-là, le 2v2, on a la range de Caitlyn qui profite très, très bien à Yuki, qui parvient à mettre un énorme poke sur Steelback depuis tout à l'heure. C'est totalement normal. C'est une Caitlyn en face de lane. On sait que le pick est très fort en face de lane. Il est très fort en face de siège et il scale très bien. Donc, c'est pas pour rien qu'il est considéré comme l'un des meilleurs AD carry de jeu, voire le meilleur champion voire le meilleur. Amazing qui vient d'aller prendre de la vision dans cette jungle Vitality, mais attention, il est niveau 3, le jungler des Mysterious Monkeys. Un retard quand même assez conséquent. Joko vient de passer niveau 5, il va aller chercher ses loups Amazing, mais là il est dans une situation difficile et Joko va avoir la main dans les mutes à venir dans la jungle. Donc là, on a une stat comme quoi Mysterious Monkeys n'aurait jamais gagné une game LCS quand ils sont blue side. Donc là, c'est pas bien parti pour eux, mais sur... Il y a une première fois à tout. Voilà, c'est ça, il y a une première fois à tout. Donc on verra si ce sera la première fois. Honnêtement, c'est le moment, parce que face à Vitality, c'est une équipe contre laquelle ils ont une chance. En plus de ça, là, c'est un match très très important, donc ils doivent être vraiment... Ils sont montés. Surboostés, là, ça doit être... Là, ils doivent tout donner. Hein. Ils n'ont absolument pas le droit de passer à côté de cette game. Ils sont montés, les Mysterious Monkeys, qui, c'est vrai... reviennent correctement dans CLCS Europe Summer et ce serait vraiment le point d'or pour eux de revenir à égalité avec ces Vitality. C'est ça. Sur le nombre de BO gagnés, perdus. S'ils arrivent déjà à avoir une place où ils ne sont pas en up and down, c'est une grande réussite pour cette équipe des Mysterious Monkeys, parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas cherché les playoffs en début de split par rapport à toutes ces équipes qui sont déjà formées, qui ont déjà fait leur bout de chemin, qui savent jouer ensemble depuis très longtemps. Mysterious Monkeys, c'est une équipe qui, bon, certes a joué ensemble, ils étaient dans quelle équipe déjà? C'était à Misfits Academy. C'est Misfits Academy, tout à fait. Ouais. Du coup, c'est quand même des joueurs qui ont joué ensemble, mais pas assez longtemps pour prétendre à une place en playoff actuellement. Non, bon, ça c'est clair. Peut-être dans le futur, oui, peut-être bien, dans sûr, le futur. Mais cette saison... ce ne sera pas jouable normalement. Pour l'instant, on a la jungle topside de Vitality qui se transforme en jungle pour Mysterious Monkeys et l'inverse du côté botside pour Vitality. Donc, un schéma que l'on retrouve assez régulièrement pour essayer de prendre le contrôle sur un côté de la map et non pas sur, sur une diagonale plutôt bas gauche plutôt que sur la diagonale en haut à droite. Quoi. Donc, pour l'instant, on utilise Ultimate.
Très bien. Donc Kikis qui utilise l'ultimate en se disant bon, je vais peut-être faire quelque chose sur Kabochar. Au final, il force juste le taunt out, il n'y a rien à faire. On a le red buff qui a été invade par Joko. Evander qui le récupère sans aucun souci. Joko qui a un petit avantage quand même hein, au niveau mais de la jungle. Je suis étonné que Mazing tente même pas le smite en fait. Ouais, c'est certes, il a un niveau de moins, mais. Bah, ça peut toujours passer. Tu hein. sais jamais, ça peut le faire honnêtement. Ouais, c'était bizarre. Et il l'abandonne complètement. Joko qui se balade et pourtant en Gragas contre ses Juani. Il n'a pas non plus un match-up archi favorable, non pas qu'il soit défavorable, mais je ne pense pas non plus qu'il soit vraiment en sa faveur. Et Mr. Smonkeys qui décide de faire le swap okay. au même moment que les Vitality. Donc la tentative Mr. Smonkeys de push de cette tour risque là, de... C'est un 4v3 pour l'instant, LRB. Et l'arrivée du Brom de Vendeur qui devrait égaliser l'ulti. Ultimate qui touche directement Dreams qui est sous tour, qui ne prendra pas l'aggro, le flash-out de la part de Mazing ou le flash-out de la part de Dreams. Et finalement, on n'arrivera à rien là-dessus. On force quand même quelques summoners. Et là, Mr. Smonkeys qui s'est juste perdu, qui a avancé sur la top lane, qui a voulu mettre de la pression sur cette tourelle. On utilise juste les ultimates du côté de Vitality. Et derrière, ça force deux flashs. Donc c'est totalement à l'avantage de Vitality hein, ce move. Hein. Ouais, ce swap qui a été anticipé par les Vitality. C'est et cool. on a voulu le faire avec la BF Glaive, notamment je pense pour Yuki. Mais ça ne passera pas. Les Vitality ont vu le coup venir. Ouais, ils ont très bien joué là du côté Vitality. Ils ont eu la très bonne réaction d'envoyer tout de suite la botlane sur la top lane sur ce timing là. Car si la botlane était retournée sur la botlane de manière totalement standard, je pense qu'on aurait pu voir un dive s'orchestrer et la tourelle. C'était du 4v2 max. C'est ça. Donc 4v2, c'est dive 100%. Surtout avec une Sejuani, avec un Jarvan, ce genre de choses. C'est assez facile d'aller tanker la tourelle. Maintenant, on envoie Kiki sur la bot lane. On a Nukeduck et Koskyu sur la mid lane. C'est un match-up, comme on l'a dit, hein. C'est un match-up qui est free farm. Genre sur la mid lane, pour le Vladimir et pour le Corki. Ils ne vont pas aller chercher... chercher des problèmes, ils sont là, ils farm, ils scale. On sait que c'est deux champions qui scale très bien. Donc on les revend en teamfight. Voilà, c'est ça. On les revend en teamfight. C'est ça. Exactement. Et les carriadés aussi de leur côté, hein, qui font leurs emplettes pour l'instant et qui prennent leur farm. De toute façon, si des joueurs doivent être sacrifiés dans ce match, ce sont les top laners, hein, clairement. Finalement, un Jarvan, pour être efficace, il a besoin d'un Black Cleaver et d'un Lithoplastron de c'est la gargouille. Ça. Il n'a pas besoin de plus. Et le Shen de son côté est déjà tellement tanky naturellement. Les joueurs qu'il faut mettre bien, ce sont les ADC. Donc s'il y a des swaps à faire en catastrophe, on préfère sacrifier les top laners. De toute façon, les top laners dans l'histoire de League of Legends, ça a toujours été les champions qui sont fait sacrifier. On se rappelle les swaps en de l'air. En général, mais du coup, est-ce que tu as choisi ton poste parce que tu avais un grand esprit de sacrifice ou parce que l'Ignite chez Riven ça te permettait de prendre des kills? L'Ignite chez Riven à l'époque ça me permettait de prendre des kills, c'était bien. Donc attention, flash out comme de la part de Cabo, est-ce qu'on peut aller chercher plus là-dessus? Et on a Koskyu qui prend la pomme de pain. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Il a son flash, il a son ghost encore, Nukeduck. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Et non, on ne va pas utiliser de Valkyrie, on ne va pas tenter quoi que ce soit, on va juste forcer un back sur le midlaner de cette équipe des Mysterious Monkeys, essayer de push au mid, faire perdre quelques CS à ce Vladimir et on se contente de ça. Et on retourne à ses affaires pour chacun. C'est ça. Puisque c'est ça. Comme vous le savez, le scénario de ce match s'écrira sur la mid lane et c'est une arabe. C'est ça, ça en va tout cas, toujours c'est être des le drafts cas, hein. arabes. De toute façon, quand on a autant de temps qu'autant d'engage, on va forcément s'attendre à un moment où les deux équipes vont vouloir se mettre sur la gueule sur la mid lane. Exactement. C'est la méta du moment. Et pour le coup, ça fonctionne très bien. C'est pas pour rien que c'est joué, c'est parce que ça marche avec les tanks. Donc tu peux te permettre un peu. Pas vraiment d'ignorer la tour, mais tu peux te permettre de la temporiser pendant très longtemps. Et c'est pour ça que les compositions avec des Sejuani, des Jarvan, des Gragas, des Maokai sont des choses qui fonctionnent très très bien. Donc là, du côté Vitality, on s'orienterait vers le héros de la faille. Mais c'est bien, parce c'est que vu la difficulté pour les deux équipes à progresser sur les tours, ça semble être un très bon choix d'engager un héros de la faille. Et surtout que c'était sur un moment de back de la duo lane des Mysterious Monkeys. C'est excellent. Là, pour le coup, le héros de la faille, c'est, je pense, un élément qui, dans ces games-là, en tout cas dans cette méta-là, peut être l'élément game-breaker, peut être l'élément déclencheur pour forcer déjà un avantage pour une équipe. Donc, ça peut être le plus en mid-game. Oui. Même si je pense qu'il n'y aura pas d'énormes plus, à moins d'un teamfight dans ce genre de draft, ça peut être quelque chose qui te permet d'avoir un peu de vision supplémentaire, peut-être de mettre une ward un peu plus en dos de l'adversaire, qui permet à ton top laner de TP. Donc ça, c'est toujours important, je pense. Et le dragon
des océans récupérés par Mysterious Monkeys. Ce sera finalement un échange entre les deux équipes. C'est ça, c'est une réponse classique. On voit que ça fait l'héros de la faille sur la top lane. On prend du coup le dragon en réponse. C'est totalement normal. Même si là, pour le coup, le héros de la faille peut avoir un potentiel de snowball plus grand s'il est bien utilisé. Donc on verra, comme tu l'as dit, que ce soit pour la vision, etc. Ça peut vraiment faire la différence. Attention quand même à Kosuke qui utilise sa proto-belt. On a directement l'ultimate qui est utilisé. Dreams qui est dans le flank et qui finalement reculera. On n'utilise absolument aucun summoner sur ce move. On ne pouvait pas flash in du côté de Joko, sachant qu'il y avait la flak du côté de Vladimir. On préfère annuler le move, on retire un peu de vision et pour l'instant c'est une game qui se joue vraiment très lentement. On joue sur le contrôle de la map, on joue vraiment sur les rotations, mais on n'arrive pas vraiment à prendre un avantage certain là pour l'instant. Oh, c'est un bon pilier de la part de Dreams, il a éloigné Steelback. On a senti que le carrière des Français voulait tenter de se mêler à ce qui se passait dans cette jungle. Et on voit l'énorme travail de vision, hein, des deux supports, à chaque fois on met de la pink, on utilise les trinkets, on essaie de clean toute la vision qui pourrait être apportée dans notre jungle. Donc c'est assez standard pour l'instant comme game, c'est une game un peu lente, mais qui je pense va être explosive. Hein. Quand on aura le premier teamfight... Exactement, c'est là où les choses vont commencer à devenir très sérieuses. On peut voir quand même un Nukeduck qui a bien avancé sur cette tour mid, il est pas loin de pouvoir récupérer le bâtiment. Donc pour Vitality, en fait, si on invoque le héros de la faille mid, je pense qu'on prend la tour. Il faut le faire, bien entendu, sur l'intervalle entre deux vagues de creep, pour pas avoir la blague du héros de la faille qui s'arrête sur la vague. Ça serait un peu décevant quand même. Mais normalement, vu les points de vue de la tour, je vois mal comment Vitality pourrait ne pas la récupérer avec le héros. Ouais, là, il faut que les Mysterious Monkeys s'activent si jamais ils ne veulent pas perdre leur première tourelle. Là, parce qu'on sait qu'une terre mid, ça libère énormément de champs dans la jungle. Et on voit comme Joko se balade dans la jungle depuis tout à l'heure. On a déjà l'impression que c'est sa jungle alors qu'il y avait encore la T1. Donc si la T1 mid tombe, je pense que Joko il va s'en donner à cœur joie, mettre toute la vision dans la jungle adverse et à donner l'information sur Amazing à chaque fois. Donc il faut qu'il fasse attention quand même du côté Mysterious Monkeys. Joko qui continue de farm, hein, pour l'instant. Donc Amazing pareil, hein, c'est vraiment on scale du côté des deux équipes. Après c'est vrai qu'on a quand même un très bon scaling du côté des deux équipes. Donc toi, si tu avais une petite piécette à mettre, imaginons les deux équipes sont à peu près even. En late game, tu vois quelle équipe prendre l'ascendant? C'est honnêtement, c'est assez difficile à dire parce que ça dépendra vraiment de la qualité des engages de chaque côté. Ouais. Mais je dirais que si l'engage n'est pas parfait de côté Mysterious Monkeys, ce qui n'est pas si simple que ça, vu tout ce qu'ils ont à leur disposition, j'imagine que Corki partira sur le classique. Attention, directement l'ultimate de Brom en réponse. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Je pense que oui. Flash out de la part de Kikis. L'ultimate aussi. Kosuki arrive, qui va utiliser le sien. C'est fini pour Vendor. Le first blood qui a été récupéré du côté de Mysterious Monkeys. Mais pendant ce temps-là, Nukeduck, qui lui est en train de push sur la mid lane. Il a un package. Tranquillement, il a le package. Il a la possibilité de décale si jamais il y a de la pression qui va être apportée sur la top lane ou quoi que ce soit. Mais on récupère 7 T1 mid, on prend les camps de jungle de Mazing. Et pendant ce temps-là, du côté Mysterious Monkeys, on va essayer de récupérer la T1 top. Elle devrait être récupérée, sachant que le backup côté Vitality met pas mal de temps à arriver. Le héros de la faille qui est utilisé entre la T1 et la T2, très bien. Donc le héros de la faille qui va juste courir jusqu'à la T1. Et du coup ça va donner un trade T1 plus, T1 top contre T1 mid plus T1 bot du côté Vitality. Au final c'est un first blood qui est largement rentabilisé. Hein. C'est compensé. Mais oui, alors sur ces histoires de quelle équipe serait meilleure en late, je pense vraiment que c'est une question de configuration. Et si Mysterious Monkeys trouve une engage parfaite et que le Vlad notamment... Parce que le très gros écart entre les deux équipes sur les profils de champions, il se fait surtout sur la mid lane. Ouais. Là où Corki est plus un champion de POC, un champion qui va rester dans le dos de ses tanks. Là où justement le Vladimir a cette capacité à être un mage de proximité. Donc la question pour moi c'est, est-ce que le Vladimir arrive à atteindre les cibles fragiles des Vitality? Si oui, Mysterious Monkeys aura de bonnes chances de l'emporter. Par contre, si le Vlad est contrôlé, derrière les Vitality, ils ont deux champions hyper dangereux à distance. Et c'est quasiment du 2 contre 1 après, versus Yuki, ouais, pour moi. Donc c'est vraiment selon l'engage, je pense, que les choses se décanteront. C'est vrai que l'engage est vraiment beaucoup trop importante. Hein. Là, du côté Mysterious Monkeys, il faut qu'ils arrivent à aller choper un des deux carrés, en tout cas. Et c'est-à-dire, sinon, ça va être trop difficile pour eux de remporter le teamfight. Il faut qu'ils passent à travers le mur que sont Gragas et Shen.
sans compter qu'il y aura du peeling de la part de Shen et de la part de Brome sur le Corki ou la Tristana. C'est vrai que ça risque d'être compliqué en fait hein, du côté des Monkeys. On voit Koscu là qui prend très très cher, la Nuke Duck qui tire. Oh, il veut le dive bien. Et là on a l'ultimate qui a été utilisé de la part de Shen. Est-ce qu'il va réussir à le dive? La flaque qui a été mise, le taunt très bien timé et le kill récupéré de la part de Joko sur la top lane. On va normalement en push 7-1 sans l'ombre d'un doute. On a déjà la Trinité, ça push très très vite. On a Kabochar aussi qui est présent. Et là on utilise l'ultimate comme j'aime le voir utilisé, c'est-à-dire de manière agressive et non pas défensive. Un Shen offensif qui utilise effectivement ce Stan United pour permettre des dives. Et c'est une belle opportunité qui est saisie par ses Vitality. Mais maintenant attention, parce qu'il y a une réponse sur la mid lane, les Mysterious Monkeys qui poussent et qui récupèrent la T1. C'est pas mal. Un objectif précieux, on le sait. Mais avantage au tour pour Vitality. Et on revoit ce Nuke Duck qui n'a laissé aucune chance. Et Koscu, la panique totale. Hein. Là, il pouvait rien faire. Hein. Il s'est dit, bon, je vais peut-être réussir à temporiser avec la flag. Sauf que ce n'était pas du tout le cas. Il a utilisé son ultimate pour essayer de se sustain. Sauf qu'il n'a pas eu le temps de récupérer ses PV. Et du coup, il est tombé très rapidement. En même temps, 3v1. Même s'il récupérait ses PV, il était mort. Ça devenait difficile. On est d'accord. Alors, le prochain dragon sera... C'est un nuage qui est revenu sur la faille de l'invocateur. Donc, ça va pas forcément être le motif numéro 1 d'agression pour les équipes. Mais Joko décide quand même d'y aller rapidement. Il sent qu'il a une opportunité. Tandis que son top laner est au push. Enfin, son top laner, le cabot. Voilà. Plutôt à la défense du push de Kikiz. Et ce dragon sera récupéré par Vitality. Donc, un dragon assez classique, assez facile. Donc vraiment le dragon gratuit. Ils avaient la pression sur la mid lane, sur la bot lane. Ils savaient que pour arriver sur ce dragon, cette kill d'émission de Monkeys, ils étaient obligés de prendre des risques, déjà s'aventurer dans le noir, dans la jungle. Donc à tout moment, il aurait pu y avoir un piège. Ils ont préféré le laisser tranquille. Attention par contre là-dessus, Nuke Duck, il sert Valkyrie. Est-ce qu'il va flash out? On a eu le cataclysme qui a été pris. L'ultimate de Mazing qui est totalement piffé. On force quand même le heal du côté de Nuke Duck, mais on n'arrivera pas à appliquer le passif. Joko qui va devoir flash out alors qu'il est dans le pit du Drake. On a le backup de la part de Wander et de Steelback, mais finalement on n'aura pas, on n'a pas eu assez confiance. Joko qui a eu peur de prendre trop cher trop vite et qui a préféré flash out. Mais c'est bien ce qu'il a fait Nuke Duck, il a vu arriver cette ulti, il a joué entre les deux couloirs, vraiment sur, purement sur l'angle. Attention, l'ulti. Dreams qui prend la fissure glaciale là-dessus, est-ce que Dreams va tomber? Il a quand même essayé son ultimate pour être recule. Extrêmement tranquille, le taunt qui passe le taunt de la part de Wander. Est-ce que Cabo va toucher son taunt? Oui, le taunt te touche, il se fait ralentir par le retour de l'épée de Kabochar et le kill est récupéré. C'est du 1-0 en faveur de cette équipe des Vitality qui prend un très bon fight. On force quand même beaucoup de summoners, mais enfin de beaucoup d'ultimate plutôt, et on récupère quand même un kill. On force le flash et le heal de Yuki, on force l'exhaust de Dreams. Dreams, il n'a pas flash. Attention, Koscu là qui s'aventure dans sa jungle, mais qui est quand même bien ralenti par la Valkyrie. Est-ce qu'il va tomber? Oui, il va tomber. Et Nuke Duck qui récupère son premier kill de la partie. 1-0-1. Très bien. 1-0-1 et en plus de ça, 36 d'avance pour l'instant pour Nuke Duck. On vous l'avait dit, c'est l'homme en forme chez Vitality. Et il répond une nouvelle fois présent. Tandis que les stats de Dreams ne sont pas flatteuses. Le plus de morts dans les supports des LCS Europe. C'est pas fameux, hein. J'ai l'impression de voir Ashani. Bon, peut-être pas à ce moment-là, mais Iva, on se rappelle. Oui, Iva, j'avoue, Iva, c'était vraiment quelque chose. Hein. Donc là, Dreams qui a fait le ballon de foot. Genre, il s'est fait repousser par le Gragas, il s'est fait repousser, il s'est mettre en l'air par le Brome. On a quand même un Wander qui est low, qui force le heal de Steelback, mais pendant ce temps-là, on a les carrés qui sont bien positionnés et qui forcent le focus ensemble sur Dreams. Et Dreams, lui, qui du coup se désaltère hein, après cette fait tuer. Il faut se rafraîchir la gorge pour Dreams. C'est vrai que pour l'instant, les choses ne sont pas en faveur des Mysterious Monkeys. Et par contre, on voit que Amazing a pu finir son vœu du chevalier, c'est important. La Caitlyn de Yuki manque quand même encore de dégâts. On l'a vu sur le fight précédent, c'était vraiment criant. Bah, c'est un champion qui met du temps, hein, parce qu'elle, même s'il a son, sa lame de l'infini, il a un zèle, il a son statique, il lui manque encore un petit item d'attack speed. Je ne sais pas s'il va partir sur le canon ultra rapide. Normalement, il devrait partir là-dessus. C'est un item que l'on voit très souvent sur les joueurs de Caitlyn. Par contre, on ne prend pas le risque d'aller chercher la pink ward du côté de Joko. On se dit, bon, l'auto-attaque, elle serait peut-être de trop. Elle serait passée, je pense, mais vu qu'il n'a pas, l'œil de Dieu comme nous l'avons, oui, eh bien, c'est une question de prudence. C'est ça, il préfère la jouer safe, ah, c'est totalement logique. Joko, on lui a pas mal reproché aussi sur ce speed de faire des erreurs justement évitables. Oui. Donc je pense qu'il essaie aussi de travailler sur ça. Et il a raison, hein, parce que c'est vrai que Joko, il a été pas mal...
contesté hein, dans la jungle pendant un long moment. Là, il fait quand même une game assez correcte, même assez très correcte hein, en soi. Il est présent sur 100% des kills, il arrive à mettre une bonne pression. Il fait office de front lane, c'est vraiment ce qu'il doit faire. Il flash out quand il doit le flash out. Attention par contre à Joko là, qui va se ralentir par cette séjourne. On a l'ultimate de chaîne qui a été utilisé. On a la fissure glaciale de la part de Wom qui vient temporiser Amazing et Dreams. Le Q-spell qui touche sur Amazing, Kabouchard qui touche le taunt tout de suite sur... cette c'est Joanie, le stun qui passe grâce au passif façon comme au cataclysme de la part de Kikis. Joko qui arrive dans le flanc, l'ultimate qui touche tout de suite Vander, l'ultimate de Vladimir qui touche Vander. Et Joko, attention par contre, Nuke Duck qui est tout seul. Le Q-spell de Brom qui va ralentir Kikis et finalement ce sera un 0 pour 0 sur ce teamfight. Steelback qui pendant ce temps-là était en train de push la wave, qui n'avait pas vraiment d'opportunité pour se placer et mettre des dégâts sur cette frontline Mysterious Monkeys. Donc au final, les deux équipes en sortent bredouilles et du coup ils vont disengage tout ça tranquillement. On force des ultimates, mais on force très peu de summoners en ce moment. Ouais, non, malgré l'intensité apparente du fight, il faut se rappeler que finalement les joueurs qui étaient exposés étaient surtout les tanks. Et Nuke Duck, il a eu un moment où effectivement Kikis et les Mysterious Monkeys se sont retournés sur lui, mais il avait gardé quand même une large marge de manœuvre sur son positionnement et il a pu rapidement décaler avec une Valkyrie. Donc Nuke Duck n'a pas été mis tant en danger que ça. Ça a été surtout une histoire de frontliner ce fight. Et de toute façon, le jeu actuellement veut ça. C'est des énormes frontliners qui sont très difficiles à tomber. Mais une fois qu'ils tombent, normalement, c'est le bus. Donc une fois qu'ils sont tombés, les cibles qui sont derrière ils suivent très très souvent, donc c'est pour ça qu'ils donnent tout pour essayer de tomber depuis tout à l'heure ce Trundle, cette Sejuani, mais ils ont beaucoup beaucoup de mal. Donc Joko qui parvient enfin à récupérer cette Pink Ward, on retire de la vision grâce à l'altération de Vander là, qui vient retirer un peu toute la vision dans la rivière au niveau du Baron Nashor. Pour l'instant 3-1 en faveur de Vitality, une tourelle d'avance, quelques golds d'avance, mais tout est encore jouable. Oui, et par contre Vitality qui commence à jouer autour du Baron. C'est logique, c'est l'objectif qu'ils doivent prendre. Il y a le Drake qui reste mauvais dans 30 secondes, c'est un dragon des océans. Ça pourrait profiter à cette kit des Mysterious Monkeys pour justement décupler la régène qu'ils ont déjà avec leur premier dragon des océans. Mais est-ce qu'ils vont vraiment. Ton tank qui sort 3 secondes du teamfight et qui revient full life. Voilà, ça peut être pas mal, surtout si c'est ça peut être l'enfer pour les adversaires. Et la sèche qui est partie sur un item orienté peeling, qui est partie sur un vœu du chevalier. Et tout comme le Gragas de Joko, tu remarqueras. Oui, c'est deux junglers qui vont essayer de protéger leurs AD carry et leur permettre de temporiser plus longtemps, de survivre plus longtemps lors des teamfights et du coup de prendre des dégâts pour eux. Déjà que c'était pas assez avec le fait que ce soit déjà des énormes tanks, ils veulent tanker pour leur carry maintenant. Donc c'est totalement normal. C'est League of Legends actuellement. Ils sont comme le Q-spell qui touche sur Kikis. Kikis prend quand même assez cher, qui est obligé d'utiliser son combo pour repartir. On a le package qui a été utilisé sur Dreams. Dreams qui prend très très cher, qui force l'exhaust pour éviter toute forme de risque du côté de Nuke Duck. Et au bot, on a Cabochard qui est au push justement. Pour l'instant, Vitality contrôle bien la rivière. On voit Mysterious Monkeys, ils n'arrivent pas forcément à mettre un pied à cet endroit. La vision leur fait défaut. Et forcément, le dragon est engagé par les Vitality. 2500 points de vie. Cabochard qui est en couverture pour l'instant. Cabochard qui couvre parfaitement et Vitality réussit à s'accaparer ce dragon. Joko qui est son coup de bilon in, attention, il va se faire cesser, il prend beaucoup de dégâts, il devrait tomber normalement. Joko qui tombe. On a pour l'instant un Cabochard qui essaie de faire office de frontlane. On a la fissure glaciale de la part de Rumi qui vient ralentir toute cette frontlane. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre des dégâts? On a quand même Tristana et Corki qui sont présents, la Valkyrie in, l'ultimate qui est balancé, la prison de glace de Sejuani qui temporise les dégâts de Nuke Duck. Et finalement, colossal LRB, colossal. Les dégâts de ces carries de Vitality qui ont vraiment. On le disait, ça va être le problème pour Mysterious Monkeys. Soit on arrive à engager solidement dans la backlane, soit à frontlane contre frontlane, ils vont s'opposer justement à cette présence d'un double AD carry. Le Corki Tristana qui justement fait le travail. Et ce Jarvan actuellement n'est pas en mesure de rester aussi longtemps que c'est Gragas, ça. Que Sejuani et que... Là c'est... Et que Shen également, ouais. Il lui manque ce lithoplastron. Là, c'est l'erreur de Joko qui fait un coup de bidon in, ce qui fait que ça force tout le focus de cette équipe des Mysterious Monkeys sur lui. Il tombe très rapidement, mais heureusement, les deux carries, Nuke Duck et Steelback, font un travail monstre. Amazing qui temporise bien Nuke Duck avec la prison de glace qui lui est envoyée, qui lui fait perdre une seconde 5 de DPS, ce qui change quand même pas mal la donne. Je pense que sinon, on aurait pu avoir un Nuke Duck qui saute dans le tas et qui puisse mettre encore plus de dégâts. Mais c'est déjà assez bien, les Vitality qui s'en sortent pour un 1 pour 1 après une erreur de Joko. Donc ça reste quand même plus que correct. Et on sent que plus ça va,
plus ça va être dur d'aller chercher Nuke Duck, plus ça va être dur d'aller chercher Steelback. Steelback qui est sur un très bon scaling, qui est parti déjà sur un dernier souffle. Donc là, les tanks, ils veulent vraiment les détruire. Là où cette Caitlyn mettra beaucoup de temps à tuer les tanks. En soi, on a juste de l'AD, un peu d'attaque speed du critique, mais on n'a pas de pénétration d'armor encore. Oui. Et bon, la BOTRK n'est pas là non plus, mais c'est pas toujours la solution ultime. Oui. BOTRK, on a pu s'en rendre compte, mais c'est vrai que la Kate de Yuki n'est pas encore là de faire peur à cette frontline Vitality qui est plus solide parce qu'ils ont un Shen à la place d'un Jarvan notamment. Et Kikiz est fort à l'impact, mais s'il ne combine pas correctement avec le Vladimir de Koscu, ça ne marche pas. Son engage n'aura pas vraiment de sens en fait. Exactement, je suis assez d'accord avec toi. Attention comme Majoko qui fait encore une fois un coup de bidon, l'ultimate qui est balancé, Amazing qui se retrouve dans le mur. Est-ce qu'ils vont réussir à en glacer? Oh Dreams, un petit critique magique parce que oui, c'est la spécialisation de Corki, le fait d'infliger des dégâts critiques en partie magique. En très très grande partie magique, ça, désormais. 80% désormais hein, de dégâts magiques sur ces auto-attaques, c'est énorme. Hein. C'est revenu un peu comme à une époque. Après, ils étaient passés en 50-50. C'est une mécanique qui est tellement unique en fait, le fait d'infliger des critiques en magique. C'est très très étrange, mais pour le coup, ça permet à Corki d'avoir un DPS qui est monstrueux. Et ça lui offre une vraie niche d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on se souvient, il y a deux saisons, il y avait cette volonté de changer un peu le profil des ADC au langage peut-être sur Dreams. C'est le burst de la part de Steelback et des Vitality. Dreams est au sol et là, LRB, c'est peut-être le moment d'engager peut-être un Baron Nashor. Le Call Nashor là, qui pourrait être fait du côté des Vitality. Ils ont raison, ils vont essayer de clean la vision. On a Kikis qui est au bot, qui dispose de sa téléportation, mais qui aura quand même un temps de retard. On va préférer mettre un piège. On a la trinket bleue qui a été utilisée. Est-ce qu'on tente Nuke Duck qui joue intelligemment, qui fait semblant de mettre des spells sauf qu'il ne les met pas sur le Nashor. Et du coup cette équipe des Mr. Smokies qui a l'impression que ce Nashor a été engagé, sauf que ce n'est pas le cas. Le flash in de la part de Vendor qui met la fissure glaciale sur la Sejuani. La Sejuani qui essaie de temporiser, mais malheureusement ça ne marchera pas. Le taunt qui est passé, c'est et Amazing fini. Qui tombe, le Baron Nashor va suivre et les Vitality qui vont prendre un énorme avantage sur ce move. Tandis que Kikiz est lancé sur cette botlane, on veut prendre la T2 et on essaie de compenser comme on peut pour Mysterious Smokies, mais Vitality est bien dans son match. On prend sereinement les teamfights, la frontlane fait son job et derrière Steelback et Nuke Duck n'ont qu'à assurer. Certes, il y a une petite compensation pour Kikiz, mais dans l'ensemble, c'est une grosse victoire Vitality dans ce mid-game. Et à l'approche des 30 minutes de jeu, ce Baron Nashor pourrait faire très mal. On avait du mal à décoller de cette river et de ce milieu de la carte. Ça devrait donner justement des munitions à Vitality pour progresser désormais. De toute façon, le Baron Nashor sur ce patch où justement les équipes ont tendance à se grouper au mid donne une force d'impact qui est beaucoup trop grande. Avec une Tristana qui va pouvoir taper la tour et la détruire très rapidement, avec un Nuke Duck qui lui aussi fait très mal, il a son 43 rapide, il a sa lame d'infini, il a sa force de la Trinité. Il est très très bien ce Corki. Donc là, je vois mal ce qui pourrait arrêter cette équipe des Vitality si il commence à forcer un siège. Parce que c'est bien beau, on a Yuki qui lui peut défendre avec ses pièges, mais ça ne suffira pas. On n'a pas vraiment de clean wave en soi, on n'a pas une Anivia ou quoi que ce soit qui pourrait pop de nulle part. On a un Vladimir, et Vladimir pour aller dépush une équipe qui est en train de siège, c'est très difficile. Hein. Surtout avec Baron. Surtout avec Baron, Nuke Duck est lancé de son côté sur la top lane. Attention, il pourrait le prendre. Le flank, Amazing, qui ne tentera pas d'ulti, mais il est précieux cet ulti, c'est Juani, on le sait. Les Mysterious Monkeys en ont besoin pour remporter leur fight. Une tentative d'engage sur Joko, soldée par un échec pour les Mysterious Monkeys. C'est là, le 1-3 est impossible à gérer du côté de cette équipe des Mysterious Monkeys. Ils sont obligés de venir au moins à 4 ou 5 pour tenir chacune des lanes. Certes, on vient ralentir Joko. Attention quand même, Joko qui prend quand même une succession de CC non négligeables. On a comme le lancement qui est apporté là-dessus avec le petit fût explosif. Et pendant ce temps-là, on a le Corki qui continue de push au top. Le Vladimir qui fait la transition entre la mid lane, la top lane, sauf qu'il ne peut pas vraiment tenir indéfiniment ce Corki qui lui est très très bien. Attention, voilà sa force ultimate de Koscu et c'est tout. On recule, on est très très bien, il n'y a pas vraiment de soucis. Et la T2 qui tombe. Cette équipe des Vitality qui joue très très bien le Baron Nashor. Et c'est pas fini, il y a encore 1:30 au compteur pour les Vitality. Et là, attention, est-ce qu'on va plutôt préférer les bots, on va plutôt préférer les mid du côté du Shen? Je pense que le Shen a tout intérêt à rester sur une lane seul, sachant qu'il peut rejoindre son équipe très facilement avec son ultimate. Donc non, il ne devrait pas y avoir énormément de soucis. Ils sont quand même à Joko. Joko qui est sur le flanc. Il a une engage, il a une engage, il met l'ulti. Ultimate sur Amazing, Amazing qui se fait ralentir, mais Kikiz ça ne suffira peut-être. Pas. Kikiz peut-être. Oh, il avait un angle parfait d'engage, mais le follow-up n'était pas présent. Et je pense que c'est ce qu'il a dissuadé, parce qu'on le disait, mettre une arène sur 5 joueurs, c'est bien.
Mais si le Vladimir n'est pas parfaitement coordonné pour suivre, ça va manquer d'utilité. Donc autant conserver ses billes côté Mysterious Monkeys. Exactement, ils ont raison. Attention quand même, Yuki qui se fait ralentir. Yuki qui est au forcé de flash out. Joko qui est là avec l'ultimate de Shen qui flash in pour permettre à ce Shen de revenir. Le Shen qui s'est fait cancel par le Jarvan. Et on prend tout de même la T2 sur la mid lane en faveur de cette équipe des Vitality. Et là, c'est vraiment l'hécatombe. On a un AD carry qui n'a plus de summoner. On n'a plus le support qui disposait encore de son flash, hein, qui aurait pu s'en sortir, je pense. Le taunt qui est tenté de la part de Kabocher pour forcer Kiki à reculer. Et dans tous les cas, il était obligé de reculer. La dernière T2 qui tombe, ce Baron Asher qui leur a fait le plus grand bien. C'est un excellent mid-game que viennent de proposer les Vitality. Écoute, ça part bien ce match contre Mysterious Monkeys, on l'attendait, on l'annonçait en tout cas potentiellement en serré vu les récentes performances des Monkeys. Mais pour l'instant, c'est un gros succès Vitality qui s'est concrétisé dans les fights. J'aimerais voir comment Yuki s'est fait avoir. Ah oui, d'accord, il a pris l'auto-attaque avec le canon ultra rapide de Nuke Duck qui a vraiment fait la différence. Et derrière Dreams qui essaye de tanker pour son AD carry qui repart et Joko qui flash in. Sans prendre en compte le fait que le Shen s'était fait cancel son ultimate, donc il a flash in pour pas grand chose. Car si le Shen ne s'était pas fait cancel son ultimate, derrière il aurait pu mettre un énorme taunt sur deux personnes et ça aurait pu suivre sur une T2 plus des kills, peut-être même un inhibiteur. Mais finalement, le Jarvan du Kikis qui a très bien fait de cancel cette ultimate là, car sinon ça aurait pu être terrible pour cette équipe des Mysterious Monkeys. Attention tout de même là, le piège, on a Kikis qui lance de gauche, le cataclysme qui a été utilisé, le flash out, le tir à l'impact pour repousser et se repositionner. Kikis qui est tout seul, qui est au milieu mais qui va tomber, il ne tank pas assez. Nuke Duck qui repart en 1v2, il met énormément de dégâts sur Yuki. Et on se fait le flash out, il focus plutôt Dreams, est-ce qu'il peut le tuer, le flash out plus le pilar de la part de Dreams, mais ça ne suffira pas, on va quand même prendre un inhibiteur du côté Vitality. Ça pourrait être la game, ça peut être la game. On a pris la T3, on prend l'inhibiteur et les Vitality qui poursuivent. Kikiz a tenté son va-tout sur cet engage sur Steelback. Attention, la fissure glaciale, l'ultimate de Gragas. Eh ouais, mais ça ne suffit pas. Les Mysterious Monkeys là, qui vont devoir concéder ce match, je pense. C'est Gianni qui met un ulti, on tente de contrôler, mais Joko est imperturbable. Yuki n'a pas suffisamment de dégâts. Je répète, les dégâts de Yuki. Les dégâts de Yuki ne se trouvent pas. Nuke Duck qui prend en flanque son vis-à-vis. Et là, c'est terminé. Le Nexus qui tombe. Vitality qui remporte la première partie de ce BO3 avec une composition qui a été magnifiquement jouée. On a vu un très beau niveau de jeu du côté de Vitality qui ne s'est pas laissé avoir, qui a réussi à prendre les bons objectifs, qui a laissé les objectifs quand il le fallait. Ils ont su appliquer ce 1-3-1 avec le Baron Ashore qu'ils ont réalisé à la perfection. Honnêtement, rien à dire, c'était très très propre. Et ces quelques teamfights de mid-game qui ont été bien négociés. La conquête du terrain a été en leur faveur. Ils ont été les premiers à prendre la T1 mid et les premiers à s'installer dans la rivière. Et à force de persévérance, en fait, voilà, c'est toujours pareil. Dans une game de League of Legends très accrochée, comme c'était le cas jusqu'à 25 minutes de jeu, tu joues beaucoup autour de la rivière, sur la vision. Il y a quelques buissons qui sont au centre des attentions. Et il y a un moment où une équipe arrive à prendre un kill. C'est ce que cherchait Vitality. Derrière, ils prennent le Baron. Et ils arrivent à plier le match. Et encore une fois, leur front lane, couplé à ces deux carries à distance, a fait la différence. Ils avaient le plus sur la portée et ils l'ont bien utilisé face à des Mysterious Monkeys qui n'ont jamais trouvé l'engage parfait. Ouais, le Pilva n'a pas apporté grand chose, j'ai trouvé, dans cette game. Ils n'ont pas réussi à combiner. Ça a été trop vite, vraiment, j'ai eu l'impression. Et c'est vrai que le decision making des Vitality, pour moi, était vraiment futé. Dans la mesure où on a eu des phases de lane, bah vous l'avez dit, la plupart des match-up étaient gratuits. En fait, c'était surtout une phase de farming. Le fait d'avoir ce héros de la faille, ça permet d'accélérer. Et héros de la faille mis en synergie avec deux ADC, dont Tristana et Corki, qui sont deux très bons destructeurs de tours, en fait, d'une par la bombe et de deux par la Trinité, bah ça leur a permis d'accélérer. Ils ont vraiment snowball de manière super propre, qui est une chose qu'on remet souvent en question avec des grosses équipes western, donc Europe et NA. C'est pas rare de voir des équipes qui ont du mal à mettre un terme à leur partie. Là, pour le coup, c'était super lisse. J'avoue, je suis très heureux pour Vitality, pour le coup. Ouais, et ça fait 1-0. Ça fait 1-0 suite à ce match. Donc, je ne sais pas si on repartira sur des drafts plutôt haram sur la Game 2. En tout cas, ça a bien fonctionné pour Vitality. Ils ont su
se mettre en avant en premier et avoir la draft qui en teamfight effectivement avait le plus de facilité, puisque chez Mistress Monkey ça demandait une coordination à peu près parfaite de deux joueurs, ce qui n'a jamais vraiment eu lieu, parce que le problème aussi c'est que pour te coordonner face à trois gros tanks qui ont des contrôles pour t'arrêter, dont un Brom, ça devient difficile en fait. Il y a des choses qui ne te sont pas accessibles. Et d'autant plus, on a eu un Nuke Duck qui a mis énormément de pression sur la Mylène, qui finalement a forcé Coscu à chaque fois à jouer de manière très défensive. Et Coscu n'a jamais eu l'occasion de se coupler avec Kikis pour mettre un combo. À chaque fois, il y avait le moment où Nuke Duck lui mettait trop de dégâts, il était obligé de reculer. Et à ce moment-là, il y avait Engage côté Vitality. Et Mysterious Monkeys, ils étaient un petit peu perdus, j'ai l'impression. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc Nuke Duck, encore une fois, une très bonne game qui confirme sa forme du moment. Ouais. Donc, et son gros summer split. Et son très très gros summer split. Donc ça fait plaisir à voir. Après les multiples splits, on disait ouais, peut-être qu'il perd bien en scrim, mais en LCS, il ne fait jamais rien. Là, il nous prouve que ses scrims ont payé et que maintenant, en LCS, il arrive à faire quelque chose. Donc c'est assez cool. C'est assez cool de voir Vitality. Et moi, bon, bah, pour le cœur, hein, on sait Vitality. On sait. Tu l'as exprimé pendant le pré-show. On en est à 1-0 du coup pour les Vitality. On va se laisser pour une page de publicité et on reviendra tout de suite après pour bien sûr le deuxième match dans quelques minutes sur Gaming pour la suite de ce BO entre Vitality et les Mystérieux Singes. Et nous sommes de retour sur Gaming pour la suite de ce BO entre les Mysterious Monkeys et les Vitality LRB. Des Vitality qui ont bouffé les Monkeys sur la première game. Totalement, hein. Ils ont vraiment mangé. En gros, au début, ça allait. En early game, ils étaient assez even, ils arrivaient à tenir. C'était petit avantage côté Vitality, mais pas tant que ça. Mais il y a eu un call, il y a eu un piège qui s'est orchestré de côté Vitality. Ouais. On prend un kill, on en prend deux, on prend un Nashor et là c'était terminé. Donc on va voir si cette équipe des Mysterious Monkeys va savoir s'adapter ou pas du tout. En tout cas, on a des bans qui sont plus ou moins similaires à la game précédente. Sauf qu'au lieu du ban Kalista, c'est un ban Caitlyn. Ouais. Et au lieu d'un ban, je ne sais plus exactement, en tout cas on a Braum de banni, sachant que tout à l'heure il n'était pas banni. D'ailleurs, en parlant de Caitlyn, il y a Ruler, l'ADC des Samsung ouais. Galaxy qui a dit ce matin, je ne sais pas si tu as vu. Oui, on en parlait tout à l'heure. Ah, vous en parliez, d'accord. Ouais. Et, bah, voilà, c'était le pic le plus OP du jeu. C'est vrai que Caitlyn, être très fort en lane, pouvoir siège en mid et avoir ce team ultra late vraiment très fort,
bah, c'est un pic de premier choix. Et plus le temps passe, plus LoL en fait s'optimise, plus tu la vois ban dans toutes les méta. Oui, le pic est beaucoup trop fort. On l'a vu, on a regardé les statistiques tout à l'heure avec Chip. C'était 16 games bannis quasiment sur les LCS EU là. Donc c'est énorme. En tout cas, du côté Vitality, on n'hésite pas un seul instant. Du coup, first pick, Kalista, c'est un pick qui est vraiment contesté en ce moment sur le patch 7.14. On répond avec un Gragas du côté de Mysterious Monkeys et d'une Xayah. Donc Xayah face à Kalista, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Honnêtement, je sais pas trop comment ça se passe. Je pense que la domination de lane est pour la... Enfin, je crois qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose qui détruit Kalista en lane. Oula. Le Kalistar plus la Sejuani. Kalistar, ça joue vraiment sur l'engage. Aïe, 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 aïe. Alors là, on est vraiment sur les compos sac classiques. Genre classique, compos sac du patch 7.14. C'est les compos qui sont censés hard engage. On a la Kalista qui va envoyer le Hellstar dans le tas, suivi de la prison de glace de Sejuani. Il y a pas mal de choses à faire. On fait. Oh, est-ce qu'on partirait sur une duo lane Xayah Rakan? Là, ouais, la Xayah Rakan, elle est très forte pour engage et surtout, il y a un bon peel en plus sur l'ADC. Le problème de Xayah qu'elle va avoir dans cette game face à Steelback, ça va être. Le spike, la gros avantage de Kalista étant que c'est un pic qui spike sur un item, la BRK. C'est ça. Alors que Xayah qui part sur Essence River, c'est l'optimisation la plus lente des ADC du jeu. Clairement. Et c'est très compliqué. C'est un champion qui scale vraiment en mid-late game. En early game, ça a une phase de lane qui est décente, mais c'est pas non plus le champion qui va faire la différence. Surtout pas contre Alistar Kalista. Donc ça m'étonnerait de voir une Xayah scale en early game, avoir 2-3-0 et démonter la game. En tout cas, si ça arrive, c'est qu'il y a une énorme erreur du côté Vitality. Surtout avec un Kalistar, parce que t'as un pile énorme. Normalement, la Xayah, même si jamais t'as un super engage de Rakan, normalement il y a juste un coup de tête et la Xayah est plus à portée. Donc théoriquement, c'est safe entre les deux. Ce qu'il va falloir suivre, je pense, ça va être la pression qu'il va mettre au niveau de la mid lane et au niveau de la top lane. Quel match-up on va avoir? Parce qu'il y a toujours cette possibilité, même si le 7.14, surtout en Europe, est joué autour des sacs, on a vu des compos splits marcher. Et c'est vrai que quand t'as des tanks et qu'en face t'as un speed pusher, t'as rien pour contrer quoi. C'est ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec Chips. Je trouve qu'actuellement les drafts c'est vraiment du pierre feuille ciseaux. C'est la létalité qui se fait contrer par les tanks, qui elle se fait contrer par les champions qui peuvent vraiment split, comme de la Camille, on a pu le voir en Corée. Voilà, exactement. Camille qui, lorsqu'il est face à un tank, le démolit. Genre il y a vraiment pas de match, il le démolit, il prend les tours. Le seul problème, c'est que derrière, le fait d'avoir un split pusher peut se faire contrer par le fait que l'équipe adverse peut forcer une énorme engage au niveau de la mid lane, voilà. Prendre 2-3 kills et derrière mettre un trou dans la base. C'est d'ailleurs ce que faisaient les Américains pendant le Rift Rival. C'était le truc, c'est bien d'avoir un split pusher, mais il faut pas que ta mid lane se fasse détruire. Ils y allaient en fait en mode tower dive et ils passaient. On aura un Corki. Et il y a un truc qui est assez remarquable du côté des Monkeys, c'est qu'il y a une pression face à Nukedog du côté de Coscu, parce qu'on met double ban au niveau de la mid lane, puisqu'on a déjà la Kalista, donc ce Lucian est forcément mid, à moins que... Oui, c'est vrai que Cabochard peut aussi le jouer top, mais on a très très peur de la mid lane du côté des Monkeys, et on va mettre Coscu sur un pick extrêmement safe. C'est ça, on préfère partir sur un Corki. On l'a vu tout à l'heure entre les mains de Nukedog et c'était vraiment un cauchemar à tenir pour Coscu. Donc cette fois-ci, c'est lui qui prend ce Corki. On partirait du côté Vitality sur une composition orientée avec un Rumble et un Jace. Donc Jace mid létalité avec un Rumble top. Alors là, c'est assez étonnant. Je t'avouerai que c'est assez étonnant. On n'est pas du tout sur une composition. Je pensais qu'ils allaient s'orienter sur vraiment une compo sac. Et finalement, on a... C'est Joanie Alistar pour l'engage et ils disent ça suffit, maintenant il nous faut des dégâts, il nous faut du contrôle de teamfight. On part sur un Rumble, on part sur un Jace. Et réponse Camille. J'aime beaucoup la composition Vitality. Et du côté Mr. Smokey, c'est une Camille, ok. Ok, ok. T'en penses quoi toi des deux compos? Bah écoute, je pense que sur, le souci qu'on va avoir du côté de Vitality, ça va être de gérer le push de Cabochard en early. Il va absolument falloir couvrir les gangs d'Amazing sur Kikis. Parce qu'avec normalement avec sa Camille, il va pouvoir découper le Rumble. Et ça, tu te fais snowball ta top lane, ton Rumble, il pourra jamais être puissant. Clairement. En dehors de ça, j'ai du mal à comprendre qu'avec Full Invade, on prenne un champion poke comme les Jace. Mais je pense que c'est peut-être pour l'envoyer, peut-être jouer du 1-3-1 avec Kalistar mid, avec une Sejuani pour défendre, pour empêcher le siège adverse. Envoyer le Jace en split avec le Rumble qui fait des allers-retours. C'est un pari plus risqué, mais je pense que les Vitality ont drafté en se disant qu'ils étaient juste largement meilleurs que leurs adversaires et qu'ils peuvent juste gagner la game en jouant la phase de lane et la pressure. Oui, c'est fort probable. Après, on verra un peu comment ça va être joué. C'est pas étonnant non plus que cette équipe des Vitality puisse partir sur une composition où ils vont aller vraiment forcer un teamfight très violent en mid-game avec ce Rumble, avec ce Jace. C'est deux champions qui scalent assez bien en mid-game, voire même très très bien en mid-game. L'engage de Sejuani avec Kalista qui peut envoyer le Hellstar dans le tas. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un énorme teamfight en mid-game pour vraiment prendre l'ascendant du côté des Vitality. Là où du côté Mysterious Monkeys, ils ont une très bonne compo,
mais qui met quand même un petit peu de temps à scale. On est sur une Xayah, comme tu l'as dit, qui part sur Essence River, donc forcément le build ADK qui met le plus de temps à scale. On est sur un Corki qui nécessite au moins la Trinité plus une IE ou un Rapid Fire Cannon en plus pour vraiment commencer à détruire la partie. Donc là, si Mysterious Monkeys prend du retard en mid-game, je pense qu'ils pourront pas revenir. Par contre, s'ils arrivent à tenir ce mid-game et à ne pas trop être acculés sur leur tour, il y a moyen qu'ils profitent de leur late-game avec cette Camille qui justement aura la force en speed push. Ouais, ils ont la Camille Rumble. Et puis ils ont Yuki hein, qui va pouvoir jouer sur une Xayah. Le souci que vont avoir les Mysterious Monkeys aussi, c'est simplement un Energize. Un Energize de Nuke Duck qui touche avec la menace de Joko et de Kabochar. Tu sais que si t'es mid-life, si tu prends même un quart de TPV, tu peux pas gagner le fight contre ouais. les Vitality parce qu'il y a une Kalista que tu vas jamais voir qui va se faire pile par Alistar Sejuani. Et donc tu peux absolument pas te prendre Energize, sinon t'es obligé quasiment de reculer face à un adversaire en période de siège. Donc le siège Vitality est très très fort grâce à Nuke Duck, et je pense qu'ils peuvent vraiment gagner justement dans ce mid-game. On va voir ça. Au niveau des junglers, la méta est beaucoup plus... elle est beaucoup moins intéressante en jungle qu'elle a pu l'être pré-7.14, puisque vu que c'est des tanks, ça farme beaucoup, ouais, et ça joue beaucoup sur les décalages avec des engages à partir des niveaux 5-6, et beaucoup moins sur l'early game pressure avec de l'invade et du kill. Bah on l'a vu tout à l'heure hein, sur la game précédente, c'était vraiment 1-1 à 13 minutes de jeu. Donc il faut se dire que ça a mis beaucoup de temps à se lancer. Ça se regardait un peu dans le blanc des yeux. Il y a eu beaucoup de teamfights où, justement, en early mid, c'est dur d'aller chercher des kills, sachant qu'il faut passer outre la front lane. Et généralement, on a les frontliners qui tankent, qui prennent beaucoup d'épaisse, qui reculent, et le teamfight se cancel tout de suite. Et puis, t'as le retour des CC dans League of Legends. On a eu beaucoup de compos sans CC. Avec des CC moins évidents. Même s'il y en a, voilà, la dispersion des faibles de Syndra, ce genre de choses qu'on a vu énormément. Là maintenant, on a des champions qui peuvent cesser très facilement. Alistar, Sejuani, Gragas. Et donc, forcément, vu que tu sais que sur un contrôle, tu vas mourir, vu que c'est un peu une méta one-shot, tu dois t'en prémunir. On a un start pull red buff du côté de Joko. On va faire l'écorment du côté de son adversaire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi du côté Mysterious Monkeys. Ils avaient commencé au niveau du red buff pour ensuite enchaîner sur l'écorment. Donc une route assez standard pour l'instant du côté de ces deux équipes. On a Steelback qui prend très très cher. On active tout de suite le Z du côté de Xayah pour mettre une bonne pression de lane. C'est assez bien fait. Under qui met une auto-attaque sur Dreams. Mais voilà, pour l'instant, c'est... Il y a les targons de toute façon. Et Kabochar qui va push sur Kikis. Donc ça c'est le danger hein, pour les Vitality dans cette early game, c'est que Kabochar overextend et qu'il y a une punition de Amazing. Amazing qui décide en plus de faire un grid clear, c'est-à-dire qu'il va terminer toute sa partie topside de jungle. Et là en fait il a un timing de gank où généralement t'es pas forcément conscient que tu vas avoir un gank du jungler. Et ça pourrait être justement un first blood pour les Monkeys. Après, la route de jungle choisie par Joko va lui permettre normalement d'arriver en counter gank à peu près en même temps. Ouais. Et finalement il y a Kabochar malin. Voilà, il se dit si jamais il fait un grid clear, je mets mon truc dans le tribush, il peut pas ganker, il va back. Voilà, il va même pas le tenter, il va back et il va aller faire son bot side. Il a totalement raison, je pense qu'il a eu l'information du côté de Kikis qui a vu Kabochar se diriger au niveau du tribush. Donc il a l'information, il préfère se replier tranquillement. Du côté de Joko, on fait la route pour justement aller chercher les Krugs. Sauf que intelligemment, Amazing, lui, a fait cette route, a anticipé justement ce counter jungle. Ouais, le double du buff carap Krug, c'est tout overdive. La classique. Hein. Pourquoi en fait on va faire les carap parce que là il y a une belle agression. Très très cher le dive peut-être le dive, c'est ça hein. Normalement c'est push to dive, c'est la push to dive top, mais voilà cette ward qui a été placée très intelligemment. Mais Joko qui va prendre l'agression directement sur Kikis, obligé de sortir, il va se faire deny une grosse phase de farm. Il là énormément de creep là-dessus, la Kikis qui sur sa phase de lane en 1v1 a pris beaucoup trop cher. Il a sous-estimé le rumble de Kabochar qui lui met une énorme pression sur la phase de lane. C'est assez standard hein, sur rumble en réalité, de push avec le lance-flamme sur chauffe mm-hmm. Donc c'est vraiment classique. Et Kikis qui lui a pris beaucoup trop de pots, qui a été contraint de back et d'utiliser la téléportation, ce qui fait qu'il prend pas mal de retard là sur ce move. Il a déjà 10 creeps de retard et un niveau, et il n'a pas encore passé son niveau 4. Donc là gros avantage pour Kabochar. Agression de vendeur sur la bot lane, langage de Dreams. Le problème c'est que c'est très très safe. Ouais, ça va, c'est assez classique. Il n'a pas encore utilisé son extirpation là, Steelback. Il a pas mis de dégâts, j'ai l'impression. Donc c'est l'early game de Kalista, ça met du temps à scale, il lui faut la BO Tarka, mais une fois qu'elle aura BO Tarka, je pense qu'elle sera en mesure d'aller chercher les 2v2. Pour l'instant, ça se tient. Le farming est à l'avantage de Xayah Rakan, sachant qu'ils ont mis une très bonne pression de lane dès le début de partie. Téléportation utilisée au niveau de la top lane du côté du Rumble, et Joko qui vient scout un peu la jungle top adverse pour donner l'information de Amazing à ses coéquipiers. Voilà, notamment à Kabochar. Vu qu'il vient d'utiliser sa téléportation, eh bien, il est vulnérable au langage sur Steelback, ça part dans les airs. Le problème, c'est que la DC, voilà, comme on l'avait dit,
Eh bien, Yuki, au moment d'agression de Dreams. Le stun. Dreams qui prend l'ignite, qui va être contraint de flash out. Ça force le heal du côté de Yuki. Steelback qui va devoir reculer. Il est quand même relativement low. Il dispose encore de son heal et de son flash. Mais attention, Nuke Duck, il se sent en portail pour profiter d'un petit peu de vitesse de déplacement. Il s'en sort. Le Gragas qui met un petit peu de pression, qui va obliger Nuke Duck à reculer et à rester sous sa tour. Mais en même temps, c'était ce qui était attendu avec un Corki qui continuait de push depuis tout à l'heure. Et là, par contre, en termes d'information. Les Monkeys viennent de récupérer les carapateurs de Joko. Donc Joko, il se retrouve un peu short sur sa jungle parce qu'il vient de faire son, il a fait son topside, il perd ses corbins, il a pas d'XP à récupérer. Donc il est forcément en retard par rapport à Amazing qui en plus voilà, va pouvoir mettre un trinket et peut-être passer derrière. Enfin, il va lui détruire sa jungle au pauvre. Par contre, ils vont tomber à l'un face à l'autre là au niveau de la jungle. On a le Gragas qui est level 5, qui a un petit peu d'avantage, hein, comme tu l'as dit, un petit peu d'avance par rapport à cette Sejuani. Mais là, Sejuani qui est en train d'arriver. Attention quand même, Amazing, est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose? La botlane se fait push. Non, ça va. Il s'en sort sans aucun souci. Bah, Amazing, il sait voilà, que la botlane se fait push. Donc si Steelback et Vendeur, bah, ils décalent, ils perdent des sbires sous leur tour. Donc ils vont rester parce que tu peux pas vraiment comme ça te permettre de perdre du farm. Et donc ça plus ou moins comment dire, à Joko d'être autonome. Mais Joko, ça y est, il est en train de se faire out jungle par Amazing dans cette early game. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ok, très bien. Donc Joko qui récupère le carapateur. Il y a eu un dash dans le vent, il y a eu des trucs bizarres, mais au final il récupère quand même le carapateur. Kabouchard qui est level 6, mais encore une fois une énorme pression sur Kikis avec son lance-flamme. Il passe en surchauffe et du coup il met beaucoup de dégâts. 48 CS à 29 CS. La domination de Kabouchard sur Kikis, c'est vraiment énorme. Hein. Bah, la route de jungle de Joko avec le push early de Kabouchard a vraiment mis énormément de pression. C'est-à-dire que Joko actuellement il se fait out jungle par Amazing, mais c'est une conséquence naturelle du fait que Kabouchard domine aussi sur Kikis. C'est ça. Donc c'est un trade-off qu'on choisit les Vitality après avoir un spike sur un Rumble. C'est peut-être plus intéressant qu'avoir un spike sur une Sejuani par rapport à un Gragas. Totalement. On a le Gragas qui, en plus de ça, ne devrait pas tarder à passer le level 6. Kabouchard qui s'avance peut-être un petit peu trop là-dessus. C'est quoi ça? Il a été beaucoup trop loin. L'Equalizer qui a été placé. Est-ce que Joko peut aller chercher Kikis? Est-ce qu'il peut prendre le kill sur Amazing? Ça force comme le flash out sur le Gragas. Et finalement, on ne va pas aller chercher plus. Ou peut-être aller chercher plus. On ne sait pas. Du côté de Joko, il est quand même que level 4. Amazing qui est level 5. On a beaucoup de creeps qui tombent. On y va du côté de Joko niveau 4. Est-ce qu'il peut le faire? Il est seul. Hein. Il est en 1v2. Il va devoir reculer. On a Kikis qui utilise son E sur le mur. Et finalement, on deny énormément de CS, encore une fois. Exactement. Sur la botlane. Le oh là, qui pousse sur Kikis qui s'en sort à rien. L'Energize. L'Energize de la douleur, l'Energize de la honte hein, pour Nuke Duck qui l'aura pas. Enfin, pas vraiment de la honte, mais plutôt du sel, si je peux dire. Là, il doit avoir un petit peu le seum, le midlaner des Vitality. On va partir sur le top side de la carte et regarde le swap des Vitality qui sont en train d'out macro leurs adversaires. On va peut-être partir sur une first brick en faveur de l'équipe Blue Side. Et Kikis, là, qui se fait totalement deny. 30 creeps de retard sur son adversaire. C'est énorme. Hein. 30 creeps de retard, c'est énorme. On partage les golds entre le Rumble et la Kalista. Ce qui fait que les deux vont avoir énormément de gold et c'est deux champions qui vont très bien scale. La Rumble et Kalista pour entrer dans le mid-game avec un avantage de 375 gold grâce à la première tourelle. C'est pas dégueu. On récupère quand même la tourelle bot du côté des Mysterious Monkeys, chose qui était attendue. Hein. De toute façon, ouais, obligé, aujourd'hui, hein. Tu as quasiment plus de first break qui sont pas compensés sur l'autre côté de la carte. C'est l'optimisation qui rappelle étrangement les heures sombres de LoL et du swap lane. Ouais, ça me faisait mal ça. Bah, on en est pas loin parce qu'au final, il n'y a plus vraiment de course à la first break. Après, les top laners à 10 CS à 5 minutes, je m'en rappelle encore. Ça, c'était. Ah, mais ça permettait. Difficile, ça. Et après, t'avais des gangplanks qui fermaient pendant 25 minutes pour revenir sur leur power spike en faisant juste des je vais top lane, je récupère le farm, je descends bot lane, je récupère le farm et je mets un ulti si jamais ça engage. Ouais, top lane à cette époque, c'était vraiment la pire époque. Hein. C'était. Après, il y avait des gangplanks. Le chien d'eau, quoi. Il y avait des gangplanks Fura, c'était cool. Mais en dehors de ça, ouais, on avait des gros match-up horribles avec des Maokai contre. Des Nautilus à l'époque, je me rappelle. Nautilus Maokai, quel enfer. Quel enfer. C'était pas très fun. Non, on a vu plus fun. Et la méta actuelle au niveau de la top lane n'est pas trop mal comme on voit, tout ça est jouable. Ouais voilà c'est ça, on peut un peu sortir de tout. Dans la jungle, bon c'est majoritairement du tank, mais en solo queue tu peux toujours sortir du Kha'Zix, ce genre de choses, donc ça va. Et mid lane ça va je trouve aussi, il y a quand même pas mal de choses à sortir. Attention par contre au niveau de la top lane, Kabouchard qui se fait go par Kikis, mais il est safe Kabouchard. Bah, surtout qu'il a son protège roi du savant, hein. Il a un gros avantage en termes de gold. Donc là il a de la régène, il a de la mobilité, puis il a de l'armure Kabouchard. Donc théoriquement il peut pas trop mourir sous le jeu de Kikis. Par contre il peut y avoir un dive. Et c'est le problème de Rumble, c'est que voilà tu peux pas trop l'outdive. Ah, donc là c'est assez compliqué. Il va mourir. Xayah qui va mettre le stun et normalement le Rumble devrait tomber sans secondes. Oh, Kabouchard. Le flash out de Kabouchard. Est-ce qu'il va récupérer son shield? Non malheureusement il n'a pas réussi à récupérer son shield, il était encore en surchauffe. Et c'est le first blood récupéré pour cette équipe des Mysterious Monkeys qui va enchaîner ensuite sur une terrain top. Ouais, il va normalement, pouvoir TP. Ça devrait en faire de même du côté de la bot lane avec les Vitality, Steelback et Vendor qui récupèrent
la T1 bot lane. Donc comme tu l'as dit, aucune tourelle n'est pas compensée par une autre en général. Hein, ouais, bah voilà, first blood. Alors oui, il y a eu le tower dive. Après, il garde sa téléportation. Je sais pas si le flash était idéal. Je pense qu'il a voulu outplay les adversaires, mais il y avait trop de push. Du coup, son equalizer a pas permis de clear les deux waves qui arrivaient. Il meurt, il garde sa TP. Donc théoriquement, il est pas gêné. Ils ont donc une initiative, les vitality là-dessus, et on récompense par une tour bot lane. On n'est pas dans la méta swap lane. On n'en est pas loin. Oui, c'est ça, on n'en est pas loin. On est sur un truc un peu mieux quand même que la méta swap lane, mais... On récupère des ressources pour les top laners, mais en soi, voilà, il n'y a pas d'affrontement pour avoir une tour d'avance. Oui. C'est, on deny le fait qu'il y ait un affrontement parce que c'est plus simple de prendre la tour bot lane que d'aller défendre la tour top lane. C'est ça, c'est exactement le cas là. Et là, tu regardes les Kargol. C'est le League of Legends d'aujourd'hui. Ouais, tu regardes les Kargol, bah, il y a 100 gold d'écart. Donc en fait, il y a égalité entre deux équipes, malgré le dive, malgré le force blood, malgré la force brick, il y a égalité entre les deux équipes. Après, le farm compense un peu. On a vu un equalizer pour essayer de dépush, mais Kikis qui vient mettre le stun. Est-ce qu'il aurait. Ouais, non, là, si Kabouchard flash out avant, je pense qu'il serait pris l'ultimate de Kikis et ça aurait enchaîné de la même manière. Je pense c'est quasiment impossible. Ouais. Avec l'ulti de Camille, soutenu en plus par un Xayah Rakan. Non, il aurait rien pu faire. Il aurait même peut-être dû garder son flash pour faire un fight après. Premier dragon, c'est un mountain pour l'instant occupé à autre chose. Les joueurs, ils ne veulent pas aller le chercher cet objectif. 100 gold d'écart entre les deux formations. Et ce Jace qui vient de récupérer son spike avec sa Yomu. Là où Corki, bah, forcément, Koscu lui attend sa trinité. Donc on est. C'est classique. En vrai, mid lane Corki, tu vois rarement beaucoup d'affrontements au niveau de la mid lane. Corki, lui, son objectif, c'est juste de scale tranquillement. C'est d'arriver à un instant où il arrive à son power spike mid game. Et là. Ça commence à trade. Le quart d'heure de jeu généralement. Voilà, c'est ça. C'est généralement un quart d'heure et avant ça, bon, le Corki fait rien. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile d'avoir de l'impact en early game lorsque tu joues Corki. Heureusement pour eux, la game s'emballe très peu étant donné que c'est des tanks jungle et les tanks jungle ne mettent pas énormément d'impact. Attention quand même. Vendeur full aggro. Il va mettre le stun tout de suite sur Kikis. Kikis qui va repartir avec son E. On a la téléportation de la part de Kabouchard, le flash out de la part de Dreams. Koscu qui va se faire envoyer la Lystar de la part de Kalista. C'est le petit cadeau. Et Koscu qui s'en sort tout de même avec son flash plus Valkyrie out. Par contre, 0 push. Pour 0 sur ce teamfight. Ils ont le push par contre, les Vitality. Voilà, il y a la wave qui va venir sur la mid lane. Est-ce qu'on peut défendre du côté des Mysterious Monkeys, le clear de Dream et de Koscu? C'est bon, c'est un corps qui est finalement, comme tu l'as dit, eh bien, balle au centre encore une fois LRB. C'est la classique, c'est ce qu'on voit assez régulièrement, c'est des teamfights qui sont engagés mais qui finalement ne mènent à rien, étant donné qu'on n'a pas les dégâts pour aller chercher les tanks. On essaie de focus des carrés qui ont de l'escape et finalement les carrés vont juste s'escape, hein, comme on le dit, hein, ils partent avec leur flash, ils partent avec leurs escapes et du coup il y a absolument aucun kill, mais au moins on deny le potentiel héros de la faille qu'aurait pu prendre cette équipe des Mysterious Monkeys et on gagne au niveau du push. Donc trade rentable pour cette équipe Vitality, des Vitality. Voilà, ces moves complètement validés du côté de l'équipe Blue Side. Des Vitality qui sont patients. Après, je suis un petit peu déçu. Je pense pas que Mysterious Monkeys soit une excellentissime équipe en early game. Et j'aurais espéré voir de Vitality une meilleure capacité de gestion de leur mouvement en early game. Après, Amazing a fait un très très bon début de partie et donc je pense que ça a un peu muselé la capacité des Vitality à snowball. Et maintenant voilà, on arrive dans le mid game, c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins scripté le mid game et c'est le moment où justement il va falloir être créatif du côté des deux équipes. Au mid game tout peut se passer, c'est sur le patch 7.14, j'ai l'impression qu'en mid game on ne peut pas savoir qui gagne avant d'arriver dans le mid game, parce que dans le mid game là il va y avoir des teamfights et il va y avoir ce moment où on groupe au mid. Et le teamfight peut être pris des deux parties, c'est-à-dire que ça dépend de qui engage le mieux. Ouais. Et le mid dans cette méta ressemble vachement au late dans les autres. Oui, voilà. Où finalement l'écart gold est moins important que la prise de fight. Et c'est essentiellement dû au fait qu'on a des compos qui sont, comme tu dis, très robustes. Et donc les teamfights sont longs. Et c'est la suite de bonnes décisions qui fait que tu le gagnes. Et pas vraiment juste un pick-up et un snowball. Ok, il a réussi à poke Rakan derrière là, Nuke Duck avec son Energize là. On a Kikis qui est reparti. On va engager le dragon du côté des Vitality. C'est un dragon des montagnes. Ça pourrait être intéressant, hein, surtout dans cette méta où on se focus plutôt sur les objectifs, ce qui est tourelle, Nashor aussi. Le Nashor qui a une importance énorme sur. Dans LoL, de toute façon, même au niveau pro, maintenant des games qui se finissent en baron, ça arrive de moins en moins. Donc 10%. Ça n'existe plus. Hein. Il y a quelques équipes très 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 haut niveau en Corée qui arrivent à les faire, mais c'est très compliqué. Et on va revenir au niveau de cette mid lane où on essaie de circuler la tour mid lane. On l'a compris, hein, du côté des joueurs Mysterious Monkeys, qui s'était passé quelque chose au niveau du Drake. Toujours ce héros de la faille qui trône sur le top side de la carte, mais pas de possibilité d'aller le chercher du côté de l'équipe Red Side. Pourtant, c'était peut-être le cross map qu'ils auraient dû trouver pendant le moment où les Vitality étaient en train de faire ce dragon.
Écoute, on envoie la Camille. Je dirais que les Monkeys sont pas forcément dans un sale état parce que pendant tout ce temps où les Vitality ne font rien, il y a une Camille qui farm. C'est ça, elle arrive à scale. Attention quand même, on engage le héros de la faille. Le héros de la faille aussi qui a une énorme importance pour justement essayer de débloquer la première tourelle qui pourrait leur donner de la vision dans la map. Et finalement, voilà, côté Vitality, on ne laisse pas ça couler. On va le défendre, on les force à reculer. Et du coup, on retourne sur la mid lane avec un Nuke Duck qui lui utilise sa Yumu pour repartir. Ouais, on a le Gragas qui était en train d'arriver, on disengage. Il n'y a pas du tout de problème pour l'instant. C'est une game un peu à l'image de la première game, qui est très lente en early game, vraiment très lente, mais qui en mid game est vraiment explosive, où là il commence à y avoir des teamfights. On commence à faire preuve de créativité en essayant de faire des pièges, en essayant de faire des rotations un petit peu étranges. Et c'est à partir de là que la game devient vraiment intéressante. Ouais, il y a vraiment, encore une fois, au risque de me répéter sur l'analogie, c'est Corki qui power spike sur un item et ces games qui commencent vraiment à 20 minutes de jeu avec des early très très passifs, eh bien ça nous envoie plus ou moins un an jour pour jour en arrière avant la first break. Parce que je crois que c'est arrivé, le patch c'était le 6.14. C'était le 6.14 l'arrivée de la first break, je crois. Je me rappelle plus du tout, je t'avouerai que ça fait un petit moment. Ouais, ça fait un an. Écoutez l'RB, on a le héros de la faille qui est commencé par les Monkeys, c'est pas vu du côté des Vitality, après okay. Ça va être laissé. Yep, ils vont le laisser, ils ont la pression qui est apportée du côté Mutant Monkeys. Ils savent que cette équipe des Vitality ne peut pas y accéder avant d'avoir dépush les lanes. Donc ils le récupèrent, c'est un bon timing pour aller récupérer ce héros de la faille, c'est très bien fait. Et du coup du côté Vitality on va essayer de répondre en essayant de pressure au niveau de la mid lane. Est-ce qu'on va réussir à prendre cette mid lane? Comme tu l'as dit, on a le Jace qui permet une bonne phase de siège. Mais est-ce que ça va suffire? Bah écoute, le problème c'est le wave clear pour l'instant, voilà, c'est les Monkeys ça. Avec ce Corki. Ils envoient la sauce, surtout que maintenant il a sa trinité et on n'arrive pas à siège parce que le problème c'est que soit Nuke Duck ou Steelback, ils n'ont pas de range des Vitality. Donc tant qu'ils touchent pas avec des Energize et qu'il n'y a pas de la létalité sur Nuke Duck pour sortir un Coscu, en fait s'ils pokent Coscu, ils peuvent prendre une tour. Mais pour l'instant, il n'y a pas assez de dégâts sur Nuke Duck pour inquiéter Coscu et Coscu a trop de wave clear et il n'y a pas de range non plus chez les Vitality, donc c'est stall entre les deux équipes. Ça, là on est sur une game qui est bloquée, peut-être qu'il va être débloqué grâce à ce héros de la faille, à voir comment cette équipe d'émission de Monkeys l'utilise. Donc on a quand même Steelback qui continue de farm, qui scale relativement bien, qui est parti déjà sur ses jambières de Berserker et sa lame du rat déchu. Donc là on est sur un semi-power spike, on va dire, du côté de Kalista. C'est pas non plus le meilleur power spike de Kalista, mais elle a la possibilité de faire des choses. Ouais, c'est le deux items sur Kalista. En face par contre Yuki, lui, il est forcément il est un peu aux fraises en termes de power spike, mais c'est l'optimisation classique. Hein. On est obligé de partir sur une fausse spectrale pour Xayah. Et du coup, lui ne sera efficace que lors de son troisième item, c'est-à-dire dans quasiment un quart d'heure de jeu. Encore une fois, du côté des Monkeys, personne n'embête cette Xayah, personne n'embête cette Camille. Et pendant ce temps, il farme. Mais c'est tout bénef pour cette équipe des Mystérieuses Monkeys. Hein. Ils ont une compo qui scale extrêmement bien avec cette Camille qui, normalement, à partir d'un certain stade, devrait pouvoir gérer le 1v1 face à Rumble, parce que c'est Camille, hein, tout simplement, ouais, le champion. Une téléportation. Attention, par contre, on a le package qui a été utilisé sur Nuke Duck. Est-ce que peut faire quelque chose dans la téléportation de la part de Kikis qui va go? Mais ça a été. Ils ont raté les Monkeys. Cabochard. Cabochard peut-être, l'exhaust qui a été utilisé, l'Equalizer, mais ça ne suffira pas. Joko qui arrive dans le dos. Oh là là, ça ne touchera pas Kikis là, du côté de Nuke Duck avec l'Energize. Et encore une fois, c'est disengage. Hein. C'est comme d'habitude. Moi, je pensais qu'ils allaient finalement go deep. Sur Nuke Duck, finalement, ils ont vu la téléportation de Cabochard. Ils se sont dit, bon, on ne peut pas, on préfère reculer. On force quand même l'exhaust du côté de Coscu. On force le flash et la téléportation du côté de Kikis. Et on perd la pression top, ce qui fait que Nuke Duck récupère normalement la T2 sans trop de soucis. On a Joko qui essaye de voler le Red Buff, mais qui n'y parvient pas. Amazing qui, lui, le récupérera. Et là, c'est totalement à l'avantage de Vitality. Encore une fois, c'est un fight qui a été un petit peu trop ambitieux du côté des Mysterious Monkeys qui se sont dit bon, on peut aller le chercher, mais ils n'ont pas pris tous les facteurs en compte. Non, ils n'ont pas été je pense qu'ils n'ont pas été au bout des choses les Monkeys dans leur analyse pré-fight. Et en effet, ils se font légèrement out macro cette phase de jeu. Ça y est, on arrive à avoir une légère avance en faveur des Vitality, mais voilà, ça risque d'être compensé parce qu'il n'y a personne sur cette mid lane pour wave clear. Le héros de la faille qui va se jeter sur la tour, hop, ça compense. On l'attendait, hein. Et voilà. Fameux ce héros de la faille pour push les tours, c'est la classique. Après, ils vont pas aller chercher plus. Le héros de la faille qui va mettre un petit peu de pression quand même sur la T2, qui va mettre quelques dégâts. C'est toujours ça de récupérer, mais vu la pression qu'ils ont perdu au top, c'est un bien faible gain là pour le coup. Ouais. C'est pas suffisant. Ils ont besoin de faire plus cette équipe des Mysterious Monkeys.
Bah, le truc, c'est qu'encore une fois, ils ont le scaling et ils ont la défense. Donc, pour l'instant, en effet, ils ont besoin de plus. Oh, Amazing qui arrive en flanking, c'est peut-être un petit peu bellique du côté d'Amazing Nuke qui va mettre le burst. On est en train de frapper la tour du côté des Vitality. Et là, voilà, il n'y a pas le Corki. Il n'y a pas le Corki. Tout de suite, c'est open bar du côté des Vitality. Oui, là, c'est vraiment open bar. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Dreams qui se fait ralentir alors qu'il avait activé son ultimate. Il ne pourra donc pas chercher l'engage. On le voit, il était prêt à sauter dans le tas. Mais ça n'a pas suffi. On a eu un très bon ralentissement de la part de Joko. Donc c'était plutôt pas mal fait, mais on ne parvient pas pour l'instant à prendre la T1. Amazing qui charge sa petite boisson là. Est-ce qu'il va sauter dans le tas? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il puisse vraiment entrer. Il a quand même son flash. On a encore le flash aussi du côté de Cabochard. Donc on est vraiment dans l'impossibilité là côté Mysterious Monkeys d'aller chercher l'engage. Est-ce qu'on pourrait pas forcer ce dragon, sachant que c'est un dragon infernal? Il respawn dans 3 secondes. Ils doivent prendre la pression et c'est exactement ce qu'ils vont faire hein, côté Vitality. Ouais, bah de toute façon, en l'absence de. Comment dire? En l'absence de possibilité, le dragon ne devient qu'une priorité. Il n'y a pas d'alternative, quoi. Il n'y a rien à faire sur la carte. Voilà, Vitality qui termine cette tour parce qu'ils ont réussi à outrotter de Koskiwi. On va faire le dragon. Il n'y a rien à faire sur la carte. C'est ça, là, c'est assez standard. Attention, peut-être là, Amazing qui pourrait être engage. Non, on a la prison de glace qui a été envoyée sur Amazing. L'ultimate de Xayah qui force ensuite son flash out. L'Equalizer qui est assez moyennement mis, qui essaie de split le fight en deux. Sauf que malheureusement, toutes les cibles étaient déjà derrière cet Equalizer. Donc, ouais, et puis on avait des flashs. Il y avait les flashs. Et pendant ce temps, Kikis qui farm. Kikis qui va tranquillement se concentrer sur son power spike à deux items, même s'il est encore un petit peu loin. On l'attend du côté des Mysterious Monkeys parce que sur ce genre d'agression, les Vitality se commitent une fois qu'il y a une Camille sur leur tour. Et pour l'instant, c'est pas le cas, donc ils doivent en profiter. Kiki, justement, qu'on revoit à l'écran. Joko, l'arrivée de Dreams, on veut essayer de faire un engage. Attention. Kiki qui va rentrer dans la backlane. Kiki peut-être. Kiki qui ralentit Vander. Vander qui est vraiment beaucoup trop low, qui est obligé d'utiliser son ultimate là. Et le heal de Steelback aussi qui a été utilisé. C'est beaucoup pour pas grand chose. Et derrière, on perd le dragon. C'est assez mal joué côté Vitality. On aurait juste dû se replier, c'est de mettre juste des wards dans sa jungle. Et là, derrière, ils perdent le dragon infernal. C'est une bien grosse perte là pour cette équipe des Vitality qui aurait pu s'en sortir assez tranquillement avec un Alistar qui avait déjà son ultimate depuis longtemps, qui a attendu d'être très très low, ça force le heal de Steelback. C'est vraiment dommage. Et puis voilà, ça fait le jeu des Monkeys parce qu'encore une fois, ils ont la compo scaling et ils prennent le dragon infernal sur cette Camille, sur ce Corki surtout. Ce sont des dégâts accrus et je pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les joueurs de Vitality. Parce qu'ils vont avoir cette compo scaling, mais s'ils perdent ce fameux fight dont tu parles à 25-30 minutes de jeu, c'est terminé la game. Les Monkeys vont passer devant, ils vont avoir 6k gold d'avance, ils vont pouvoir terminer leurs itemisations et atteindre leur power spike. Et vu que le power spike de Monkeys est au-dessus de celui des Vitality, et bien après Vitality n'aura pas la possibilité de prendre l'avantage dans cette game. Exact, là Vitality ils doivent vraiment faire quelque chose pour prendre un énorme ascendant, car là si Mysterious Monkeys continue dans cette phase où ils arrivent à scale tranquillement avec cette Camille qui est laissée toute seule sur la botlane, qui a bientôt complété sa force de la Trinité, ce Corki qui part sur son Salam d'Infini et le statique ou le canon très rapide, donc on va voir sur quoi il va se diriger, mais certainement l'un des deux hein, c'est assez standard. Là Xayah qui s'approche très grandement de son deuxième item et qui, lorsqu'elle passera sur son troisième là, va avoir un énorme impact. Et j'ai peur pour cette équipe des Vitality qui, j'ai l'impression, sont en train de subir un peu la pression à Mysterious Monkeys. Hein. Ouais, ils sont au niveau de la top lane. Quand on voit là, les joueurs reculer, c'est pas vraiment annonciateur d'une grosse performance là, du côté des World Vitality, d'une grosse performance défensive du moins. On attend bien évidemment plus de la part de Nuke Dog avec son Jace, on attend de la pressure, on attend du poke. Il n'arrive pas trop à trouver des opportunités. Finalement, ce pick a été un petit peu annulé par la compo Mysterious Monkeys. Et encore une fois, forcément, on se répète parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de faits de jeu, mais Cabochard va finir par se faire outscale par Kikis. Hein. C'est totalement logique, mais là j'avoue que là pour l'instant la game est assez molle, il se passe pas grand chose, c'est assez compliqué de décortiquer les moves, sachant que les moves c'est juste une équipe Mysterious Monkey qui essaie de tempo la game et une équipe Vitality qui doit forcer des moves mais qui ne le fait pas, ou en tout cas qui lorsqu'elle le fait n'arrive pas à récupérer de kill ou d'objectif, donc c'est difficile là pour cette équipe des Vitality là, parce qu'ils doivent forcer mais de manière beaucoup plus ardue, ils doivent vraiment... Ils ne doivent pas hésiter à mettre des flash-in en fait, c'est ça qu'ils doivent faire. Après le problème, c'est le risque, c'est de se faire kite-back par un Corki et Xayah. Je pense qu'il faut vachement plus, mais regarde justement, c'est au niveau de l'itemisation, les Vitality ils ont 2, 3, 4, ils ont 6 pink wards. Donc le but ça va être de mettre les adversaires dans le brouillard. Je pense que c'est excellentissime comme idée de jeu.
parce que c'est ça dont ils ont besoin. Force les adversaires à faire le pas de trop, engage, punir et ensuite faire le baron. Monkeys, il doit pas être naïf là. Bah, c'est les strats classiques du patch 7.14. J'ai l'impression de voir plus ou moins tout le temps les mêmes games. En réalité, c'est des fights à 25 minutes qui décident du cours de la partie. On a une équipe qui essaie d'engage et si elle y parvient, tant mieux, elle va gagner la game. Si elle n'y parvient pas, tant pis, elle va perdre la game. C'est assez étrange. En tout cas, en Europe, c'est comme ça. Dans les autres continents, ça peut être un peu différent. On a du côté de la Corée des compositions un peu plus orientées speed push, des trucs comme ça. Ouais. Mais j'avoue que là, en Europe. Joko, justement, l'engage, il arrive peut-être. Attention, Vander qui essaie l'engage. On a justement Dreams qui essaie de disengage, qui flash out et qui repart sur Yuki. La prison de glace qui ne touchera pas cette Xayah. On a Kikis qui saute sur Joko. Et encore une fois, tu vois, une très bonne disengage côté Mysterious Monkeys et des Vitality qui n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait pour aller chercher un kill. Kikis, peut-être le engage, Vander. Kikis, le flash out de la part de Kikis. On a Dreams qui le focus. On a l'appel du destin qui ramène Alistar, qui vient bump Xayah cette fois-ci. Est-ce qu'on a le cooktail là-dessus? Steelback est en premier kill. Steelback qui est en free DPS. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher Kikis? Kikis qui prend double kill. Qui va juste tomber. Double kill de la part de Steelback. Et il est là, ce fameux teamfight. 25 minutes de jeu. Il est là. Est-ce qu'on peut aller chercher le baron? On a Charles sur Nuke Duck. Il a encore son flash, mais c'est risqué d'aller aussi loin. Il veut juste Pokios Q. Il le met dans le rouge. Attention par contre, hein, Dreams et Amazing, ce n'est pas suffisant pour aller chercher Nuke Duck. Gabochard qui arrive, qui va flash in. Dreams qui devrait tomber sous les dégâts de Nuke Duck. Et là, c'est le baron Nashor. D'accélération, la fameuse. On l'attendait, LRB. C'était ce qu'on attendait. On l'attendait. On a Steelback qui a ces multiples lances qui vont être mises sur le baron Nashor. On a le Gragas qui va peut-être tenter le steal, mais ça m'étonnerait, il ne peut pas steal une Kalista. Et on a exactement le même scénario que sur la game numéro 1. Game très lente en early game et derrière un fight 25 minutes de jeu qui décide du cours de la game. C'est définitivement forcé du côté des joueurs Mysterious Monkeys parce que l'engage en fait craquer tous les summoners quasiment de leurs adversaires, alors que Vitality n'utilise que deux ultis je crois, les Vitality, l'Equalizer et celui de Vendeur. Donc là ils sont encore hyper bien, sinon il y a la prison de glace aussi qui a été lâchée, mais en vrai la compo Vitality voilà est très forte en reculant. Kikis là qui va sauver commit pour un support, très mauvaise décision. Ouais, il force son flash out là-dessus. On a Amazing qui met un beaucoup de coups de binon sur Joko et Cabo. Par contre, la Nuke Duck qui est seule là, qu'est-ce qu'il fait là? Ok, bon, on n'a pas vu comment il s'est fait engage, mais en tout cas, il s'est fait engage. Ouais. Et il ne devait pas se faire engage à ce moment-là. Et voilà, on voit les dégâts dans le fight, hein, forcément. Ce Rumble qui a réussi à placer 3K damage et qui fait la différence. Après, les Kargol n'est pas encore suffisant en faveur des Vitality dans cette game. On a 5 kills désormais. On était à 1 pendant très longtemps, on passe à 5. On est assez loin des games LCSNA en méta très ouverte. Vendeur justement qui revient sur le flanc. On va aller chercher de la pression sur la mid lane. On n'arrive pas trop à faire la différence. Et regarde forcément du côté des Monkeys. Eh bien on a cette Camille qui a sa Trinité, qui a son Tiamat. Et qui va commencer à mettre en péril le style de jeu des Vitality. Et il se pourrait qu'il n'arrive même pas à appliquer vraiment de pression avec ce Baron. Ouais, après, normalement avec la force d'engage qu'ils ont et les... la capacité de teamfight qu'ils ont, je pense qu'ils devraient être en mesure de le faire, mais pour ça, il faut déjà commencer à se forcer une situation de siège, chose qu'ils ne le font pas. Donc c'est assez dommage, là, côté Vitality, ils doivent vraiment s'avancer, mais c'est aussi la mort de Nuke Duck qui engendre ça, ce qui fait que ça temporise. Attention, par contre, là, on a justement Amazing qui va se faire bloquer par la prison de glace, il ne peut pas faire grand-chose, et Steelback qui récupère son troisième kill, c'est très bien fait, mais Amazing, là, qui sous-estime tout simplement la force d'engage de cette équipe des Vitality. Et les dégâts, bah oui, il y a deux items sur cette Kalista, LRB, et voilà, maintenant, ils vont faire qu'une bouchée de pain de cette T2 sur la mid lane, les Vitality qui prennent leur destin en main dans cette partie, et qui vont aller chercher des tours, qui vont aller essayer de créer de l'écart goal. 4K désormais entre les deux formations des Monkeys en phase défensive, sans Amazing, sans tank, avec un Jace qui va pouvoir sniper voilà la backlane des Monkeys. La voix qui arrive générée par Cabochard, l'Equalizer en poche, ça va être difficile de défendre là. Ça va être très très dur de défendre. Koskyu qui se fait ralentir, qui est contraint de Valkyrie out. On va prendre la T3. Est-ce qu'on peut aller forcer l'engage? Joko qui saute sur Yuki. Yuki qui est contraint d'ulti out pour désengage. L'Equalizer qui est mis pour essayer de split le fight en deux. Koskyu qui se fait catch sous les dégâts de Cabochard qui fait vraiment beaucoup trop mal là. On a la possibilité d'aller chercher la tour de Nexus. Est-ce qu'ils vont vraiment aller chercher la tour de Nexus? Ils n'ont pas de wave clear. Ça tombe trop vite. La première tour de Nexus qui tombe. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher Yuki? On a un très bon engage de la part de Blitz qui met un excellent combo. Est-ce qu'on va aller chercher le kill là dessus? Cabochard qui temporise grâce à son Zonia, mais il finira par tomber. L'ultimate de Camille qui a été mis, mais qui va pas pouvoir tomber. Steelback qui est en train de killback tout le monde. Steelback qui fait juste beaucoup trop de dégâts. Steelback. Il va le focus. Yuki, la première tourelle, Nexus qui tombe. Steelback qui lui. Oh là là, l'interpression! Il récupère le triple kill
Est-ce qu'il va prendre le quadra? Il devrait le récupérer normalement. Et c'est la game. Ah voilà, c'est. Oh non, c'est Alistar qui prend le quadra. L'extirpation Steelback LRB. Il les a crucifiés. Steelback n'a été complètement free DPS sur cette game. Et il a détruit la backlane des joueurs Mysterious Monkey qui s'incline. Il peut bien respawn Coscu. La game est terminée. Les Vitality nous font l'histoire de cette méta. 20 minutes, il ne se passe rien. 25 à teamfight, 30, la game est bouclée. Ils n'ont jamais existé. C'est la classique, c'est vraiment la classique. C'est les games du patch 7.14, elles se ressemblent quasiment toutes. Et là, on a vu un Steelback qui les a vraiment détruits, qui s'est bien positionné, qui a réussi à mettre énormément de dégâts lors de ce teamfight. Il a même eu le sang-froid de taper la tourelle Nexus. Hein, à la fin. Ouais. Je sais pas si t'as vu, c'est dit bon, allez, je vais taper cette tourelle Nexus pour la forme. Et derrière, j'ai tous les tués. L'extirpation qui récupère le triple kill. Et derrière, on finit la game. Steelback qui revient aussi sur ses pics de confort. Hein. Kalista, ça lui va tellement mieux que Ashe dans cette méta. Je crois que Ashe et Varus n'ont pas été vraiment les terrains propres à l'expression de son skill le plus pur, le joueur français et l'équipe française qui perf en mettant un 2-0 sec à des Monkeys qu'ils ont regardé jouer. Chips, tu as observé ces deux games, qu'en penses-tu? Eh bien, écoute, la deuxième game était moins sympa que la première, mais il y a eu cette fameuse accélération avec ces drafts qui, malheureusement pour moi, quand elles sont exploitées, enfin, comment dire. Après, je sais pas si tu peux faire beaucoup plus avec ce genre de draft, mais c'est la solution de facilité du on va teamfight à 20-25 minutes de jeu et l'équipe qui prend le mieux l'engage ou qui a un peu plus de range, etc., l'emporte. Les Mysterious Monkeys sont tombés dans ce piège. En partie, bien que sur la deuxième game, après les picks étaient, je pense, permettaient de faire plus de choses différentes, mais les équipes sont quand même tombées dans le piège. Du rythme des game tank, je pense. Vitality, qui surtout avec cette victoire, garde l'espoir de faire une fin de saison régulière peut-être intéressante, avec en ligne de mire les Splice et les autres équipes. C'est même dur si quand même pour Splice. Hein. Ils ont deux BO d'avance. Mathématiquement, c'est faisable. Exactement. Ça veut dire qu'ils se condamnent pas, même si au vu du niveau de jeu des autres équipes. Ça paraît très difficile. Mais c'est pour ça que je parle d'une situation qui est au minimum intéressante pour les joueurs, dans le sens où tant que c'est pas fini mathématiquement, voilà, c'est pas inintéressant au moins. Voilà, au moins. Donc je pense que on verra, mais c'est bien pour Vitality, ils progressent. Et Mysterious Monkeys qui n'arrive pas à arracher un match et qui finalement a été assez peu convaincant, malgré le fait qu'on ait eu Kiki sur Camille sur le deuxième match. Un speed pusher n'a pas spécialement changé la donne. Il n'a pas vraiment speed push en fait. Il n'a rien pu faire en soi. On a vu qu'il s'est fait hardbully en face de lane et là il était toujours en retard. Il devait rattraper ce retard en essayant de farm pendant très longtemps en solo. Sauf que pendant ce temps-là, cette équipe Vitality, elle ne s'est pas laissée abattre. Elle s'est dit nous on doit fight. Donc on va forcer les engages. Certes, ça n'a pas payé à une, deux reprises. Mais la troisième, ils les ont détruits. Et à partir de là, c'est Nashor et fin de game. Hein. C'était vraiment propre du côté Vitality, même si pendant un moment, on s'est dit, attention. Parce que si vous restez comme ça pendant 10 minutes de plus, le scaling de Xayah, de Camille, là, il va commencer à faire très mal. Ouais, ils ont pris leur responsabilité au bon moment. En fait, cet achat, là, il y a eu 6 pings, il y en avait 2 sur le support, 4 sur les autres. On a mis les adversaires dans le vent. On a fait cet engage sur la mid lane. Et puis, je sais pas pourquoi, en fait, ce call, c'est les Monkeys qui jettent un peu la game. Parce que ce call, en fait, engage à la Camille, c'est quand même hyper dur, surtout sur un Alistar, il se fait pile. En plus, sur Alistar, il y a encore l'ulti. En fait, ils avaient dû voir qu'il y avait l'ulti de la Kalista. Donc, engage sur un Alistar quand il y a un ulti de Kalista, c'est pas super intéressant. Il y a ce fameux peel derrière Cabochard qui fait un très bon teamfight. Il a fait beaucoup d'equalizer un petit peu à côté qui n'étaient pas forcément optimaux. Par contre, celui-là était, il avait déjà utilisé son equalizer, mais il a pu mettre en zone rouge en fait dans le Zonia. Il met 3-4 dégâts derrière l'équipe, encore une fois, Steelback free DPS donc pendant toute la game. Ils prennent cette game. Je ne pense pas que en 2018, en 2019, on se souviendra forcément de cette game 2, mais voilà, ça fait des points dans la poche de Vitality. C'est l'essentiel. C'est le plus important pour eux. C'est le plus important pour la structure française. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a un vrai mieux du côté de cette équipe et il va falloir capitaliser là-dessus, construire, voir ce qu'ils pourront faire probablement lors du Spring 2018 parce que, encore une fois, peut-être c'est encore mathématiquement jouable, mais Splice paraît être une marche très très haute à gravir. Splice, H2K ou UOL. Les trois équipes sont à égalité. Donc oui, je pense que dans tous les cas, c'est dur. Après, voilà, moi, ce que je disais... De toute façon, c'est qu'on est quand même sur deux années relativement décevantes de League of Legends pour Vitality. Donc oui, dans tous les cas, je pense que cette année reste une déception. Mais bon, je les voyais tellement pas revenir qu'on peut quand même être satisfait du fait que sur cette fin de Summer Split, ça aille mieux. Oui, bon, non, mais clairement, je veux dire que réjouissons-nous de voir une équipe française
qui soit pas en dessous de tout, qui apporte des résultats et qui gagne, en tout cas, qui soit pas du bas de tableau. Je ne demande pas à Vitality d'être en tête, pas cette année. Bon, mathématiquement, ils sont bas de tableau, mais... Oui, mais pas le vrai bas de tableau. C'est-à-dire que c'est Paris qui est juste... Bon, genre, voilà. C'est pas origine de... Bah, ça y est, là, normalement, avec deux victoires passés, d'avance sur Mysterious Monkeys, bon, encore une fois, mathématiquement, rien n'est joué, que ce soit pour le haut ou pour le bas, au niveau des possibilités des Vitality, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont rapprochés un peu du haut et qu'ils ont mis vraiment maintenant une belle marge d'erreur par rapport au bas. Donc même s'il y a grosse défaite Vitality, voire deux, ce qui est largement possible vu les équipes qui restent à jouer. Mysterious Monkeys, à côté de ça, il faudrait cravacher parce qu'ils jouent exactement les mêmes équipes, donc à savoir le haut du classement de leur groupe B. J'ai du mal à croire que Mysterious Monkeys prenne plus de deux matchs dans ces conditions. C'est relégation à 99%. Hein. Je pense, vu les conditions. Je pense. Ouais. Mais alors, je crois pas qu'il y ait d'interview. Player of the Series, ouais, Steelback. On en parlait pendant le pré-show et avant le match à l'RB. On disait Steelback, c'est vrai qu'il revient un peu, mais c'est pas non plus le joueur Vitality le plus en vue actuellement. Mais il fait un gros BO. Ouais. Il fait un et il a Kalista. Il a Kalista, on voit que le pick lui sied bien. Et je pense que voilà, il y a eu une année de transition pour Steelback entre l'époque Rocket 1v9 et Vitality où il a pas su s'adapter. Il commence à sortir la tête de l'eau, un peu comme son équipe. De toute façon, voilà, Vitality, je pense que ce sera pour 2018 ou ce ne sera pas pour 2017 de toute façon. On va se laisser probablement pour une courte page de pub, à moins qu'Alexis, tu me dises qu'il y ait une interview. Ah, il y a une interview qui démarre. Eh bien, écoute, interview. So I want to know from your perspective, how did you feel about Vitality's performance today? Because from my end, from the desk, it sounds like it's pretty Vitality favored the entire time. Yeah, they didn't give us too much trouble. We knew what we wanted to do, and we did it. I think we are the better team, so we can always play our style when we play against a team that's a little bit weaker than us. It's easy to play our game. Today may not have been a super pressing mid lane matchup for you. CauseQ has been a mid laner who's been struggling this season, but I'm curious. The Caps tier list has been a while now since it came out, but you were rated very highly. What is your impression of your performance this split as a mid laner? Where do you think you rank among the top mids in Europe? I think it's too hard to say, but every mid laner is pretty good, like especially like all the on the top teams, all the mid laners are really good. So I mean, it's insanely hard for me to like make a list or something like that, especially on the fly. Yeah. Not looking for a definitive answer. So why don't we try this a different way? What is it that you bring as a mid laner that's unique to you specifically? What is it like if I want a mid laner on my team? Why is it that I would grab Nuke Duck as opposed to someone else? Well, I don't know exactly what everyone brings. I don't know if my like qualities are unique or anything like that, but I mean I try to play the meta and just give my team as many options as I can, and that's what I'm trying to do. Definitely have seen it, kind of the Jace coming on stage. We've seen so many different picks from you this season. How are you feeling right now about this meta? I know it's tanks for a lot of the other lanes, but it doesn't look like it's going to be tanks for you. What are your thoughts on mid lane? The mid meta is pretty much not changed by the tanks that much. It's pretty much the same old. You can play any champion if you're really good on him, I think. It's pretty cool. Definitely seems like it was pretty exciting. Just to round things out, Vitality getting much closer to 100% locking in that fourth place, that safe spot. But is that what you personally have your sights set on? I know that there is still some chances that Vitality can make it into playoffs. What are the goals for you right now? Well, right now, I think everyone over us has 7 wins and we got 4. So... In theory, there's still a chance, so we're still going to try to make it to playoff. But yeah, it's going to be hard. But that's our goal, yeah. I like it. Hard goal, but still definitely looking towards playoffs. We'll see how it works out for you. Thank you for taking the time to meet. Congrats again on your win over Mysterious Monkeys. That's going to do it for us here at the couch. We're going to now send things to a break, but when we get back, it's going to be NIP versus G2. Don't go anywhere. Donc voilà, petite interview de Nuke Duck qui disait qu'en gros il était content parce que Vitality avait pu déployer son propre jeu face à une équipe un peu moins forte, donc ils avaient moins de pression, ils avaient mieux orchestré en fait leur stratégie qu'ils avaient prévue en amont. Il disait qu'il était satisfait de sa performance, qu'il était difficile pour lui, surtout sans préparation, de faire une liste des mid laners, mais qu'il n'avait pas l'impression d'être en reste en termes de mid lane. Et il disait que voilà, l'objectif pour la suite du split, c'est quand même d'essayer d'être qualifié pour le playoff, même si c'est difficile, et sinon de sécuriser cette quatrième place. Donc voilà, petite interview de Nuke Duck. De notre côté, on va se
quitter pour une courte page de pause sur Gaming pour se préparer pour le prochain BO. Ce seront donc les G2 qui reviennent en mode bélier en mode bélier de siège face au NIP dernier de leur groupe. Ça risque d'être un match sanglant et un sens unique, mais on ne sait jamais avec, avec l'ancien top laner d'SKT Profit. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose avec cette méta tank? Ce sera après une courte page de pub sur Gaming. A tout de suite.